Monsieur, nous sommes arrivés. Mon argent, s'il vous plaît. Hé, au gars, mais qu'est-ce que vous me donnez là? Votre argent, c'est 2000, attendez. Monsieur, mon argent, c'est 2000, c'est 2000, s'il vous plaît. Vous pouvez pas me donner 1000 naira? Comment ça? Je ne vous comprends pas. Mais je vous ai transporté de l'autre bout de la ville jusqu'ici. Vous savez plus où je vous ai porté? Hein? Ça fait 2000 naira, s'il vous plaît, donnez-les-moi. Attendez, qu'est-ce que vous me donnez là? Vous me donnez 500, hein? On était d'accord pour 2000, on était d'accord, non? Hein? S'il te plaît, permets-moi de partir. Je ne veux pas le stress, s'il te plaît. Donnez-moi mon argent, mais qu'est-ce que vous racontez là? Oh, vous me perdez du temps. Vous êtes là à me perdre du temps. Qu'est-ce que tu fais, mon ami? 2000. Et vous me donnez 1000. Ne regarde pas ma taille. Toi non plus, ne regarde pas ma taille. Pareil que moi, je vais t'impressionner. Tu perds le temps. Donne-moi mon argent. Je t'ai transporté de nouveau pour ici. On était d'accord pour 2000. Donnez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse ce sac. Pourquoi? Hey. Dis-moi, tu vas faire quoi? Tu veux que je gratte ta face sur ce bouton maintenant? Je vais te surprendre. Tu n'y croiras pas. Ok, vas-y. Donne-moi mon argent, tu me perds ton temps. Donne-le-moi. Frère, laisse mon sac. Tu veux pas me donner? Tu veux pas me donner? Donne-moi mon argent. Oh, tu ne me remets pas mon sac. Donne-moi mon argent. Laisse faire quoi? Je fais. Arinze? Oui. Hey, patron. Ah, enfin. Bon, bon après-midi. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cet après-midi, Arinze? Mes clés de voiture. Les clés de la voiture? Oui, mes clés de voiture. Mais pourquoi? Arinze, ça fait déjà combien de mois que tu ne m'as pas versé une seule recette d'argent? Je veux mes clés de voiture maintenant. Écoute, patron, c'est pas de ma faute. Si la voiture tombe toujours en panne, j'étais en train de... Attends, s'il te plaît, j'étais en train d'aller voir mais le mécanicien. Mais où sont mes clés de voiture? Tu viens de me dire que ce n'est pas de ta faute. J'étais presque en route pour aller voir le mécanicien. Attends, s'il te plaît. Je vais tout arranger, permets-moi d'arranger. J'allais justement chez le mécanicien, s'il te plaît. Laisse-moi passer. Essaie de me comprendre, non? Comprends-moi. C'est pas de ma faute si elle tombe toujours en panne. Tu peux partir, ne t'inquiète même pas, hein. Que Dieu te bénisse. Patron. Eh, patron. Patron. Tout ce que j'entreprends de faire dans ma vie est un échec. Pourquoi tant de difficultés?
Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Dois-je retourner au village? La vie est si difficile pour moi. M'en sortirai-je? Ok, madame. D'accord. Rembourse-moi. Donne-moi ma monnaie. Il n'y a pas de monnaie, madame. Comment ça, il n'y a pas de monnaie? Tu sais où je t'ai pris? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as demandé 300 nerfs à rembourser. C'est ce que tu m'as d'abord dit. Tu ne m'as pas dit que ta boutique était aussi loin. Donne-moi ma monnaie. Donne-moi l'argent. Tu sais où je t'ai pris pour t'amener ici? Mais donne-moi reliquat, hein? Madame, je veux pas de problème. Je veux vraiment pas de problème. Oh. S'il te plaît, il n'y a pas de monnaie. Ok. Tu n'iras nulle part. J'ai pas envie de mettre main sur toi. Hein? J'ai pas envie de mettre main sur toi. Hey! Tu n'iras nulle part. Ok, c'est comme ça. Tu ne veux pas me laisser, hein? 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 Lâche-moi. Tu penses que tu peux me battre? Tu peux pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Donne-moi ma monnaie, sinon. Je savais pas que ta boutique était loin. Lâche-moi. Tu vas me lâcher maintenant, tu vas me lâcher. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Je vais te faire mal, hein. Je vais te frapper. Hein? Je vais te frapper. Moi. Il n'y a pas de client aujourd'hui, j'ai très faim. Essaye de lui demander à manger. Attends mec, tu manges seul, faut partager, je crève aussi la dalle. Ferme ta gueule. Maintenant, je suis ton pote. T'as pas travaillé depuis le matin? Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez qu'à disparaître. Non, c'est pas un problème, je vous demande juste... Continuez d'aller manger en cachette. D'accord. Quand tu m'appelles ton pote, c'est pas grave. T'as fini de manger ton argent. T'as qu'à rentrer à la maison. T'es là, venu m'appeler ton pote. Officier, c'est lui le jeune homme. Arrêtez-le. Hé, hey, jeune homme, pourquoi avez-vous frappé cette femme? Elle vous a dit que je l'ai battue? Oui. C'est elle qui m'a d'abord arrêté. C'est au poste que vous irez vous expliquer, d'accord? Oh, alors comme ça, t'es allé te plaindre à la police? Tu ne m'as pas battue? Moi, je t'ai battue. Tu ne m'as pas frappée? Tu sais quoi? Tu n'es qu'une folle aliénée. Oh! Ouais. Arrêtez-le. Je peux vous voir. Suivez-moi. Il veut me voir? Par rapport à quoi? Lève-toi. Ce n'est pas un problème, monsieur. Suivez-moi au poste. Écoutez, officier, je n'ai rien fait de ce qu'elle raconte. J'ai rien fait. Ça veut dire que tu ne m'as pas frappée? Ne me perdez pas le temps, allons-y. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est quoi? C'est Laisse qui toi. Cette sorcière à la fin? Mais vous, monsieur, hein? Vous voulez que je vous brutalise? Ok, c'est bon, je me lève. Écoutez, il n'a rien fait. Allons-y. Le semaine ne va nulle part, officier. Allez, avance. Écoutez, c'est bon. Surveillez ma brouette, d'accord? Je reviens. Étendez-vous, les gars. Allons-y. J'avance, lâchez-moi. Allons-y. Arrêtez de me pousser, Toi, tu me lâches. C'est maintenant que je vais te battre. Avance.
Arinde! 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 Oh! Tu penses pouvoir fuir éternellement? Pas de problème, si tu veux, quitte la maison avant le lever du jour. Ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon problème. Je vais continuer à te chercher. Tu vas payer ma maison. Crois-moi, tu ne partiras pas d'ici sans avoir payé ma maison. Pas de problème. Pas de problème. Viens ici. Je voulais d'abord payer le kéké que j'ai emprunté. Ne t'inquiète pas, je te comprends. Laisse-moi payer d'abord. Tout ce que je veux, c'est que tu entres là. Que tu emballes tes affaires et que tu libères ma maison. Ok, tu penses que je blague? Tu penses que je blague? Je veux d'abord payer le kéké que j'ai... Tu penses que je blague? Attends, entre là-bas, prends tes affaires et libère ma maison. Je t'ai demandé un peu de temps, je vais te payer. Ça fait déjà combien de mois? Arinze, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je sais. Va là-dedans. Je sais que tu ne te sens pas. Emballe tes affaires et pars de chez moi. Je ne veux même plus de ton argent. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Ne me paye plus. Je n'ai plus besoin de ça. Tout ce que je veux, c'est que tu quittes ma maison. Ça, tu peux oublier. Une Malta? Va faire tes bagages. S'il te plaît, va faire tes bagages, Arinze. Je vais te payer. Je vais finir par te payer. Arinze, je n'ai pas le temps d'attendre. Va à l'intérieur et fais tes bagages. Tu crois toujours que je m'amuse? Non, je sais que tu plaisantes. Ok, pas de problème. Tu vas retourner dans ce poste de police. Non, mais ça ne sera pas juste, non? T'inquiète pas. Monsieur le bailleur, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ça ne sera pas juste. Et que veux-tu que je fasse? Que je te laisse vivre dans ma maison, gratuitement? Je vais te payer. Je vais finir par te payer. J'ai besoin de temps. Ne t'inquiète pas. Quand tu iras au poste de police, tu les payeras. C'est là-bas que je les récupérerai. Il dit la Wanyi. Naï. Le monsieur a passé un coup de fil. Avant que je ne comprenne ce qui se passe, ces gars sont arrivés. Ekene. Et quel est l'Apolonum? Mais qu'as-tu fait pour que tout ceci t'arrive? Je suis en train de parler de la police. Oh, police quoi, Yakele? Ah. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont emmené au poste de police. Ensuite, ils m'ont mis en cellule. Et quand je suis sorti, j'avais nulle part où aller. Ah. J'ai décidé de rentrer à la maison. Hey! Oh, Gatsuze. Les enfants de mes égaux vont en ville et reviennent très riches. Nkemouadje, bana kanyaka. Kabudji tchubunka. Ah! Kiliwan, je ne peux pas. Ah, vas-y, explique-moi. J'ai fait tout genre de boulot, crois-moi. J'ai fait la mécanique. J'ai fait le taxi. J'ai fait la brouette. Tu vois, la brouette. J'ai fait tout ce que je pouvais voir. Même laver les toilettes. Malgré ça, rien n'a fonctionné. Tu comprends? Et comme si ça ne suffisait pas, okay. Tout ce que je recevais en retour n'était que désolation, déception. On doit qu'elle récate, tu sais. Tabouananga, en cellule. À Kofo. Là-bas, c'est un autre monde. Tout part à l'envers. Il faudrait être dur pour t'en sortir. J'ai dû me battre. J'ai dû me battre pour m'en sortir. Mbao. C'est un autre monde. Là-bas, c'est la guerre. Ha. Ouais. C'était de trop pour moi. Je ne veux pas qu'on clôt. Boum, sache que je suis à la maison. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Sois le bienvenu ici, dans ma maison, cher né. Hey! Ok, c'est moi! Wow! J'espère que tu n'es pas la plus mauvaise nouvelle. J'ai dit qu'il fallait que je vienne te voir parce que... Oh, t'es gone. Ça fait déjà des semaines qu'on ne s'est pas vu. D'accord, ma marama, donc on est fier qu'on dit qu'on dit, mais des gars. Aussi, on connaît nos parents. Ah, Anya, Korea. Hey. Jéwakwan. Jogobez. Ndoji Béa.
J'ai vu quelqu'un comme mon fils, Arinze, sur la moto très tôt ce matin. Donc, j'ai décidé de venir voir et de me rassurer si c'était vraiment lui. Arinze, Kimi. Arinze, moi, maintenant. Oh, mais là, Arinze, Kofa. Au café, Totorawa, Ngoïza. Tu dis? A tout bois, ou bois au coiffoula, calama tata. Tu veux dire, Karine, c'est mon fils a acheté une voiture. Hey. Tu n'as même pas été fichu de me le dire. Enigi o kwa sukuna, kono kwane misa. Ne kwi me weli kwa so, maman no. Edeye, moi edeye. Akwe kozo no aka, a jinfe uju kwa. Hey! Na inkwe inugo. Erika tando, odoku tinye. Comme ça, nous aurons une voiture ou une jeep, tu dis? Rentrant et sortant dans cette famille. Hey, donne-moi l'argent de ration. Fidèle, laisse-moi tranquille. Laisse mon pantalon. Je ne te laisse pas. Et tu ne bougeras non plus d'ici tant que tu ne m'auras pas donné l'argent de ration. Fidelia, combien de fois t'ai-je appelé? Maintenant, laisse mon pantalon. Si tu veux, prononce mon nom 1000 fois. Ça, c'est ton affaire. Mais tu ne bougeras pas d'ici. Et je ne laisserai non plus ton pantalon tant que tu ne m'auras pas donné l'argent de ration. Chibuku, maman, s'il te plaît, dis à ta mère de me laisser. Maman, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu ne vois pas que les gens te regardent? Et où est mon problème? Laisse-moi pas tranquille, non? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je n'aime pas ça, je n'aime pas quand tu arrêtes papa comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, papa Josebo? Il ne bougera pas d'ici tant qu'il ne m'aura pas donné l'argent de ration. Ah, maman, papa fait tout pour nous mettre à l'aise dans cette maison. Hein? Wakanwa Ouita, s'il te plaît, laisse-le tranquille, laisse-le partir. Hein? Même les enfants te regardent, bikononou. N'ose pas mettre ta bouche dans ce problème. Hey, Tino Kwano Yende pas. Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Maman, s'il te plaît, libère papa, même si tu veux. Hey! Itiya Kanaba, moi, Inya Kayaba, ça ne te concerne pas. Ma fille. Anomana. T'inquiète pas, t'occupe pas d'elle. C'est comme ça que la plupart des femmes se comportent. Cette femme a oublié combien je prenais soin d'elle. Elle a oublié combien je me suis sacrifié pour elle. Maintenant, elle m'arrête parce que elle demande l'argent de ration et j'ai dit que je n'en ai pas. Cette femme ne veut pas me laisser respirer. Fidelia, laisse-moi. Laisse mon pantalon, Fidelia. Vous pouvez continuer de vous bailler. Continuez de vous inquiéter. Impossible d'avoir la paix dans cette maison. Donne-moi l'argent. Tu vas laisser mon pantalon. Oh, voilà, Viruja. Qu'est-ce qu'il y a? Afalamélia, toujours en train de faire honte à ton mari. Toi, reviens par ici. Où comptes-tu aller? Tu te crois très intelligent. Comment tu me feras ça? Donne-moi l'argent de ration. J'ai aucun respect. Pour toi. Yo, mes grenis. Maintenant, lâche-moi. L'argent d'abord. Allez, lâche-moi. Reste là. Reste là, tu ne vas nulle part. Je vais te faire mal. Igona, reviens ici. S'il vous plaît. Reviens ici. Madame, s'il vous plaît. Reviens ici. Madame, s'il vous plaît. Reviens ici. S'il vous plaît. Est-ce avec moi que tu veux courir? Donc tu veux me défier, c'est ça? Madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Te pardonner? N'importe quoi. Madame, s'il vous plaît, je promets de ne plus. Je vais entrer le faire immédiatement. S'il vous plaît. Tu penses que si je me mets à courir après toi, je ne pourrais pas traiter? Si je porte mon gros corps et que je me mets à courir après toi, si jamais je t'attrape, je vais te montrer de quoi je suis capable. Va à l'intérieur et cesse de faire comme un bébé. Va à l'intérieur. N'est-ce pas à toi que je m'adresse? Je vais te traiter. Reviens ici. Reviens. Je vais te traiter. Ngouni, qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps pour ne pas rendre cette cuisine propre? Maman, je lavais les habits que tu m'as donnés plus tôt. Je me disais que j'allais m'occuper de la cuisine plus tard. Tu te disais que tu prendras soin de la cuisine plus tard. Ne t'ai-je pas interdit de ne plus faire le repas ici dans cette maison en retard? Combien de fois? Hein? Je suis désolée. Je suis désolée. Et tu dis n'y a pas de bon. Et tu as quoi nous? Pourquoi? Je suis désolée, ça n'arrivera plus. Je vais commencer par faire la cuisine. Méfie-toi. Il faut qu'à quoi? Hein? Qu'à moi, tu es.
Je dis joie et Noël à toi si jamais cela se répète un jour. Madame, je suis désolée. Et vous, Kangwa? Qu'est-ce que j'ai même fait à cette femme dans cette maison? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle passe son temps à me crier dessus si ce n'est pas nettoie la maison, c'est nettoie ceci, lave mes habits, hein? C'est très évident que cette femme ne veut pas mon bonheur dans cette maison. D'ailleurs, je ne fais même plus rien. Ce qui va arriver, arrivera. Je veux voir ma maison propre. Elle va laver là-bas. Gosier, combien de fois vous ai-je déjà interdit à ton frère et à toi de ne plus venir balayer ce côté de la concession? Bonjour, oncle. Combien de fois? Pourquoi m'interdire de balayer la concession? Ça, c'est la maison de mon père. Quoi? Gosier, tiens, au point. Odoumon! Odoumon! Oncle, tu m'as frappé? Oui. Odoumon! Hey! Pourquoi frappes-tu ma fille? Qu'a-t-elle fait? C'est donc toi qui lui apprends à mal répondre aux aînés. Ne vous ai-je pas combien de fois vous ai-je interdit à tous de ne plus mettre les pieds dans cette partie de ma concession? Ici, Bo Wogi. Ici, Bo Wogi. C'est pour ça que tu frappes ma fille? Oui, et c'est bien la dernière fois que je vous avertis. Vous, vous devez tous de rester loin de mon côté. Hey! C'est compris? Odoumou, ça, ce n'est pas ton terrain. Arrête ce que tu fais là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas ton terrain. Ce n'est pas ton terrain. Va chez toi. Tu as ta propre maison, Odoumou. Ça, c'est la maison de mon mari. Il n'y aura plus de dernier avertissement. Je prendrai les mesures nécessaires et je vous frapperai si jamais vous revenez chez moi. Odoumodo, avec mon Dieu, tu ne pourras rien me faire. Depuis que j'ai perdu mon mari, tu me persécutes. Tu ne pourras rien me faire. Maman, c'est toi. Tu ne peux pas faire ça. Cet homme est méchant. Depuis que j'ai perdu mon mari. Maman, cet homme est très méchant. C'est un méchant homme. Ça va aller. Dieu voit tout. Il est là pour nous. Ça va aller. Continue à faire ce que tu faisais. Cet homme est méchant, maman. Aïe. Gilbert, Naishibuko. Attends. Donc cet homme a ignoré mes instructions et est quand même parti à cette réunion. Pas de souci, je regarde de l'autre côté. Yeah. Gilbert, il n'est non plus de ce côté. Gilbert joue avec moi. Il est en train de jouer avec moi. Il n'y a pas de souci. Je m'en vais d'abord au marché. À mon retour, on verra ce qui se passe. Gilbert s'amuse avec moi. Ce n'est pas grave, je m'en vais au marché et je reviens. Monsieur le milliardaire, t'as raison. Comme on le dit, la chance ne vient qu'une seule fois. Mon frère, laisse ces paroles. C'est du n'importe quoi, c'est des paroles des paresseux. Les opportunités viennent tout le temps. Ah. Même quelqu'un, je veux dire, tu peux créer des opportunités toi-même.
D'accord? Laisse ce genre de paroles. Je t'ai toujours dit que t'as l'étoffe d'un philosophe. Je ne sais pas comment. Mais c'est la vérité, non? En fait, il faut juste profiter de chaque instant. Attends. T'as vu ça? Quoi? Regarde. Hi. T'as vu comment elle brille à distance? Vraiment, mec. Salut, bébé. Salut. Comment tu vas? J'ai bien. Ah, mon nom à moi, c'est Arunze. Et le tien? Pourquoi vous demandez mon nom? Je veux dire, je vous connais pas. Allez, mec, allez, vas-y, mec. Allez, continue. D'accord, je suis désolé. Désolé d'avoir été si impoli. Alors, dis-moi, où est-ce que tu vas? Je peux te déposer à ta destination. Merci, mais je suis pas intéressé. Non, regarde, la pluie arrive et tu peux pas rester là pendant qu'il va pleuvoir, tu vois? Je peux t'aider, d'accord? Mais je ne me plains pas du tout. J'ai dit merci, ça va. Pas dit que tu t'es plaignais. Je veux juste t'aider. Voilà, c'est tout. D'accord? Alors, écoute, ma chérie, mec, tu vas aller derrière. On va s'asseoir devant. Un avion de chasse. Allez, je t'en prie, mon... Ah, chérie, monte dans la voiture, s'il te plaît. T'en fais pas, je vais juste te déposer. Hey. Les milliardaires. Ouais. T'es un point en matière de femme. Tu n'es qui? Ah, quelque chose va tuer nos mecs. Oui, monsieur le milliardaire, ça c'est quelque chose de charmant. T'es très joli. Merci. Tu ressembles à une pindade. Hey. Tu sais, à cause de tes belles formes. Alors, quoi de neuf? C'est quoi ton nom? Je suis Edith. Edith. C'est quelque chose. C'est un beau prénom. D'accord, comme je te l'ai dit, mon nom à moi, c'est Arunze. T'en fais pas, je vais te rendre heureuse, d'accord? Ne t'en fais pas, ma chérie, cet homme est un milliardaire. Cet homme est un milliardaire. Né, Chibuko. Né, Chibuko. Ton heure a sonné. D'où viens-tu? Ah. Ne t'ai-je pas dit que j'allais à une réunion aujourd'hui? Attends. Je t'ai demandé d'aller au champ avec nos enfants. Tu as ignoré mes instructions et tu es allé à ta réunion. Tu t'entends vraiment parler, Fidelia? Comment aurais-tu voulu que j'aille au champ pendant que mes congénères sont à la réunion? Et depuis, je pourrais aller au champ un autre jour, mais pas sûrement aujourd'hui. Pas de problème. Tu as fait ta part, n'est-ce pas? Tourne le dos et retourne à ta réunion. Fidèle à la réunion vient juste de s'achever. Voilà pourquoi je suis de retour. Il est préférable que tu retournes à ta réunion. Tu vois cette maison. Tu n'y entreras pas aujourd'hui. Cette maison. Ma propre maison, Fidelia? Ma propre maison? Celle que j'ai construite avant de t'épouser? Ezobodim, j'ai dit ma part. Kamte et Umumna sont plus importants que ta famille. Rentre et continue avec. La maison que j'ai construite avant de te... La même chanson. Fidelia! Ah, attends. Ouvre cette porte, Fidelia! Mais quelle est cette femme? Allez, ouvre rapidement cette porte, sinon je vais la casser. Rentre chez tes Umumna, s'il te plaît. Je vais te battre! Allez, ouvre cette porte! Ha! Seigneur Jésus, mais quel est ce genre de femme? Quel genre de femme ai-je épousée? Ha! Fidelia, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Je te demande de m'ouvrir cette porte. Les Omona vont nous entendre. Les Omona vont sûrement nous entendre. La façon dont tu me traites dans cette maison, les Omona seront au courant. Ils le seront.
Edith bébé. Très bien, c'est ma carte de visite, ok? Tu m'appelles quand ça te chante. Ok. Nous échangerons davantage. Tu sais, ma chérie, hein, ce mec est un milliardaire. Fais-moi confiance, appelle-le. Hey. D'accord. Prends soin de toi, d'accord? Toi aussi. Et ça, c'est une bombe, mec. Hey. Quelque chose va tuer un homme. Tu sais comment ça se passe? Tu sais comment ça se passe? C'est un avion de chasse, c'est une question de temps. On cherche toujours des poids lourds. Je t'apprends rien, mon pote. Tu dois la travailler, mec. Tu dois la travailler. Écoute, tout ce qu'elle faisait là, c'est juste du tapage de gueule. Mais on sait tous où ça va finir. Bien sûr, t'as raison. Ne pas se presser, prendre son temps. Monsieur le milliardaire. C'est juste question de temps, je l'aurai. On y va, mon pote. Mon gars, elle va passer. Quelque chose va tuer un homme. Toujours avoir une différence avec les autres, c'est ça. Maman? Maman? Oh, tu es rentrée? Maman, je suis rentrée. Où est ta sœur? Elle est devant avec papa. Dis-moi, maman, as-tu fermé la porte à papa? Ton père n'a pas respecté mes instructions. Il a préféré partir à une réunion au lieu d'aller au champ avec vous. Il va rester dehors. Maman, tu t'entends parler? Tu as laissé ton mari dehors juste parce qu'il a refusé de venir au champ avec nous? Ton propre mari? Chibuko, Chibuko, ne te mêle pas de mon mariage. Attends à voir ton propre mari. Ne te mêle pas de mon mariage. Maman, je vais entrer dans cette maison et ouvrir la porte à papa. Et n'essaye pas de m'arrêter. N'y pense même pas. Et ma mouille, Makam, n'essaye pas. N'essaye pas. Et même Emia. Maman, aucun d'entre nous n'entrera dans cette maison aujourd'hui si tu n'ouvres pas la porte à papa. Aucun d'entre nous. Tu resteras seul dans cette maison. Ça, c'est ton problème. Si tu décides de rester dehors avec ton père, où est mon problème? Il fait là de mais tu n'as pas honte de toi-même. Toutes tes copines sont mariées avec tes enfants. Tu es là à me donner des ordres. Vous pouvez rester dehors si vous voulez. Mo Oga Nabacha Bacha Azundu, ferme-la. Mo Oga. Pourquoi cet imbécile passe pas à le boss est rentré, Qu'est-ce que lui prend? Monsieur Wawawuwa. Il crie comme un fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, y'en a Ogeku. Ah, je vois que cette journée semble belle. Wagawurishawama. Alors, dis-moi, ça va? Pogadamwa. C'est une très belle journée que le Seigneur a fait. Amen. Mon nom, c'est Arinze. Arba. T'as entendu, c'est moi, Arinze. Paladez-vous, moi. Ouais, c'est ça, mon cher, tu me connais très bien. Bogana bébé. Attends une seconde. Idili, elle est là-dedans. On en est, mais elle est à l'intérieur. Ah, mais quelle belle journée! C'est quoi ça? Tu peux m'égaler, dis-moi. C'est plus moi, Arinze? Avoir de l'argent, c'est bien. Ça prouve qu'on est bien. Derrière moi, il y a toute une liste. Qui peut m'égaler? Je vais te trouver une femme. Oui, t'as besoin d'une femme. Ouais. Ça va pour moi. Je vais te trouver une femme. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me prends pour un enfant. Un très bon ami à moi, Tikenwe, est directeur de casting à Hollywood. Hein? Je ferai cadeau de 10 millions. Hum. Sois pas stupide, mon ami. Didier Lewonye. Ma chère Didier Lewonye.
Tu te trompes pas, c'est bien moi, Arinze. Hein? C'est bien moi que tu vois. Tu piges? Non. Qu'est-ce qui te met en joie? Djélé. Itiko, lui, est toujours. Depuis le matin que tu es sorti, c'est maintenant que tu rentres. C'est bon, détends-toi. C'est non, bon. Réponds juste à ma question. Oya, Jomini, mais c'est quoi ces bêtises? Ça fait un bout que je t'attends. Ah, regardez ma mère. T'es super belle. C'est bon, prends place. Allez, détends-toi. Oh. Ah, et Djélé, alors dis-moi, comment vas-tu? Non, Boudou, ni encore. Allez, je suis enfin là. En moins, c'est moi, là. Allez, quoi, allez. Encore quoi? Non, aussi, non, rien que bien. Je vais aller droit au but. C'est quoi le souci? Ok. Ok, tu sais que tu n'es plus un enfant. Ouais, je sais. Oh, c'est bien de le savoir. Et je pense qu'il est temps de te marier. Idjel et Wang. Non, laisse-moi. J'ai dit qu'il est temps de mettre une femme dans cette maison et qu'il me fera des petits-fils. Attends, tu penses que tu as encore un enfant? Idjel et Wang. Veux-tu que j'entre encore dans ton ventre pour que tu m'accouches une deuxième fois? Hein? Amène-moi une femme ici dans la maison. Il y a une chose que tu m'as apprise, c'est d'être patient. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Je suis fatiguée de te voir courir derrière les femmes. Tu tires sur tout ce qui bouge, tout ce qui bouge. Tu ne laisses rien passer. Écoute. Parmi toutes ces filles que je vois défiler ici, choisis-en une. Une avec qui tu feras ta vie. Idjel et Wang, je te l'ai dit. Et puis, je ne suis pas encore prêt pour toutes ces choses. J'ai encore envie de les goûter. Ça, je veux les goûter. Ok, tu veux les goûter. Tu veux les goûter. Ogununu, non, enfin. Voici ce que tu as déjà goûté. Tu as goûté le fola. Tu as goûté à le foliment. Tu as goûté à l'enfasala. Tu as goûté à la sauce d'afan. Tu as goûté à l'itikalaiko. Parmi tous ces goûter-goûter-là, choisis-en une, mon fils. Choisis-en une. T'as pas encore goûté au mbuto. La sauce de mbuto, t'as pas encore goûté. Le panka. Aquala, ok. C'est bon. Mais il faut faire un choix. Fais un choix et arrête de goûter à toutes ces filles. Et dis-moi, ne t'inquiète pas. Très bientôt, ton fils aura sa femme. J'ai pris ma décision. Maintenant, écoute-moi. Tu as goûté à toutes ces choses. Il faut bien mettre fin à ça. Maintenant, je veux que tu prennes une seule. Attends, ne touche pas. J'ai dit non. Tu ne me prends pas au sérieux, c'est ça? Si tu en veux, achète-le, tiens. T'es sûr que tout va bien? Parce que là, elle risque d'être avec sa mère. On n'a qu'à attendre. Ok. Oh. Oh. Soyez les bienvenus, oh. Merci, maman. Maman? Bonsoir, maman. Sois le bienvenu. Merci. Maman? Ouais, ma chérie. Lui, c'est Arinze, le jeune homme dont je t'ai parlé. Oh! Arinze, sois bienvenue, oh. C'est ma mère. Maman, ravie de te rencontrer. Ouais, sois le bienvenu, mon fils. Là, c'est son ami, Jibuna. Ah, ok. Soyez le bienvenu. Merci, maman. Non, merci, maman, mais je suis pas d'humeur à m'asseoir. J'étais sur le point de partir. Asseyez-vous. Non, j'avais un emploi du temps très chargé, mais j'ai trouvé un petit moment pour venir vous voir. D'accord, il n'y a pas de problème, mais prends l'heure. Non, te dérange pas, je pars tout de suite. Je m'en vais là tout de suite, tu sais que je suis très pris. Prenez au moins quelque chose. Je t'en prie. Non, pas maintenant. Peut-être la prochaine fois quand je viendrai, je prendrai quelque chose. Voyons, vous venez chez moi pour la première fois, vous pouvez pas totalement refuser je mon sais, nom. Je sais, je sais. Vous ne voulez même pas aller à l'intérieur, nous sommes placés là-dedans. Écoute, on va prendre juste un peu de vin, juste un peu de Itibuna. Vin. Itibuna, calme-toi, ok? Maman, comme je le disais, je suis très occupé, il faut que j'aille, d'accord? La prochaine fois que je viendrai, je prendrai quelque chose. Je voulais juste une minute. Apporte... Le vin? Ouais, apporte. Que je l'apporte? Allez, vas-y. Juste une minute. J'arrive. D'accord. J'arrive. Maman, vous savez, je fais dans la vente des machines. Vous comprenez, j'ai un programme très chargé. Déjà pour moi-même, c'est pas facile. Et dépêche-toi. Très bien. Maman. J'ai trouvé bon de vous apporter ces petits trucs. Pour me présenter et vous dire que je... Vas-y, dépose-le. Et vous dire que je voudrais épouser votre magnifique fille.
Sois le bienvenu, mon fils. Merci, ma. Elle m'avait déjà parlé de ta visite. D'accord. Et je lui ai dit, laisse-moi d'abord le rencontrer. Ok. Parce que les jeunes hommes d'aujourd'hui, on ne peut pas leur faire confiance. Ils ne recherchent qu'une chose, décevoir nos filles. C'est pour ça que je voulais d'abord te rencontrer. Maman, t'as raison. J'ai raison, mais Odogu ne fonctionne pas comme ça. Car moi, je vais faire quelque chose. C'est le milliardaire, le maître de l'argent. Toujours différent. Quand on veut faire quelque chose, on ne perd pas du temps. Pour moi, je fais les choses directement. Eh, il n'y a pas de problème. D'accord. Je t'ai vu et je peux dire que, au regard de tout ceci, je peux dire que tu es bien placé pour bien prendre. Bien sûr. Il peut témoigner de ma responsabilité. Très bien. Maman, je dois partir maintenant. J'ai plus assez de temps. D'accord? Il n'y a pas de souci. Je reviendrai pour qu'on puisse parler de cette magnifique femme. Ta mère est une bonne femme. Oui, en effet. Elle était très contente. Vraiment, très très contente. D'accord, j'ai compris. Je t'appellerai demain. D'accord. Prends soin de toi pour moi, ok? Je le ferai. Hey! Chibuna? La bombasse! Au revoir. Ah ça! Prends soin de toi, d'accord? Quelque chose va tuer un homme. On peut partir? Attends. Na, mais tu me surprends, mec. Ça ne fait que quelques jours que j'ai rencontré cette fille. Mec, j'ai été surpris au téléphone quand tu m'as dit qu'on venait rencontrer sa famille. Je ne savais pas que tu étais sérieux, mec. Eh bien, je suis content pour toi. Je suis vraiment, vraiment content pour toi. Que tu aies décidé de te marier. Chibuna, tu connais ton problème. Tu parles un peu trop. Quand nos Dogu ne parlent pas trop. Ouais, on ne parle pas trop. Je t'ai pas demandé d'ouvrir ta bouche. Mais c'est de la même chose, dont on parle. Contente-toi de m'écouter, regarde-moi, regarde et apprends. Hein? On y va. Mais en même temps, je suis content pour toi. Allez, tiens tes clés. Tu continues de parler. T'es qu'une pille, toi. Mec, une femme, je t'assure, juste une, mec. Juste une femme, mec, une seule. Mec, tu me donnes une femme et c'est bien, hein? Ce vin est savoureux. Mais bah et quoi? Eh ouais. Tu penses qu'il a qui là en rival dans oh moi t'es qu'un gros. Eh. Ce vin est trop bon. Oh d'accord nika. Hey yaka. Ce vin est simplement. Oré t'es gros. En fait il est le numéro un dans tout le. Je le sais, je le sais. Je l'ai testé une fois. Je sais pas ce qu'on ferait sans lui. Nawao. J'ai déjà goûté à son vin. Qu'est-ce que tu dis à propos de... Oudemba et Odogu. Je ne les ai pas vus. Où sont-ils? Je veux le savoir. Tu les ignores? Des ivrognes. Gilbert, ta femme est là. Et où? Mais cette femme... Que fais-tu ici? Gilbert, donc tu es ici à boire le vin. Hein? Allez, lève-toi, on va. S'il te plaît, j'ai une question à te poser. Ça, c'est mon ami. Dis-moi, n'ai-je pas le droit de rester avec lui pour boire un verre? Réponds-moi, s'il te plaît. Réponds-moi. N'ai-je pas le droit de boire avec lui? Ce n'est pas de ta faute. J'ai dit, lève-toi et rentrons. Porte-moi, lève-moi. Porte-moi. Allez, arrête avec ces bêtises. C'est quoi ces manières? Porte-moi. Pourquoi parles-tu à Gilbert de la sorte? Ah, n'as-tu donc aucun respect pour tes aînés? Très bonne question. Regardez-moi cet homme. Viens-tu de parler? Nicolas. C'est à moi que tu parles là? Nicolas, ou peu importe, quel est ton nom? Arrête de détourner mon mari. Laisse mon mari tranquille.
avant que je n'entende que Fidelia fait ci ou ça à un aîné. Laisse mon mari tranquille. Fidelia, arrête! Tu t'adresses à un aîné, ne le vois-tu pas? Je parle? Ou veux-tu me mettre dans les problèmes dans ce village? Pendant que je parle, tu es toujours assis. C'est ça, hein? Tu vois? Lève-toi! Lève-toi! Je n'irai nulle part! Ouangouangoua! Lâche-moi! Elle n'a aucun respect. Lâche-moi! Avance! Mal élevé. Non, mais regardez-moi cette femme. Avance! Quel genre de femme est-elle? Que je te reprenne encore là-bas. Je n'irai nulle part! Alcoolique. C'est la toute dernière fois. Laisse-moi tranquille. Djelewanye. Bonjour. Non. Bonjour, maman. Et Djele, je te présente quelqu'un. Comment tu vas? J'ai bien. Dernièrement, tu parlais de femmes. Regarde, c'est le genre que j'aime. Mais. T'as vu comment elle est? Je peux voir ça. Elle est pleine. Allez, vas-y, tourne. Elle est pleine. Quand tu parles de la chair. La chair! Non, c'est ce genre que tu veux. Qu'elle vienne vers toi? Donne-lui la chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. D'accord, prends la chaise, assieds-toi. Témoigne doucement. Tu vois le genre que ton fils aime? Alors, c'est quoi ton nom? Edith, maman, c'est mon nom. Un joli prénom. Un très joli prénom. Tu l'as dit, ma chérie? Dans toilette. Allez, vas-y lui chercher quelque chose à boire. Apporte-lui quelque Edith, chose à boire. Mon cœur. C'est fabuleux. Je sais. Détends-toi, t'es à la maison, je te trouve un truc à boire, ok? Je vais te préparer quelque chose. D'accord. Tu comprends? Je reviens tout de suite. Relax. Elle est à l'aise, ne t'inquiète pas. Edith! Vas-y, lève-toi. C'est naturel? Tourne-toi, c'est naturel? Oui, maman. Es-tu sûre que c'est naturel? Approche. Et ceci, c'est naturel? Hein? C'est réel, maman. Ok, tu peux t'asseoir. Assieds-toi. Alors, d'où est-ce que tu viens? Juste calme-toi, je ne vais pas te manger. Maman, elle a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que je devrais être soumise à elle si je veux me marier à son riche fils. Et c'est tout? Non, dis-moi, est-ce que c'est tout? Maman, ce n'est pas tout. Deuxièmement, elle a dit que je dois lui acheter une carte de recharge de 10 000 chaque mois. Hi-ha! Oui. La troisième chose, que je dois pas avoir d'amis. Quatrième point, si un membre de ma famille voudrait me visiter, il faudra d'abord le lui dire. Le lui signaler 2 semaines avant et après elle décidera de si ça lui convient ou pas. Et le cinquième point... Arrête-moi tout ça! Oh, Guinée, c'est quoi ça? Elle va voir... Est-ce que ce jeune homme est au courant de tout ça? Maman, c'est là le problème. Elle a précisé que si je le disais à son fils, que le mariage serait annulé. Hé! La sorcellerie, c'est quelque chose. Écoute-moi, ma fille. Je n'accepterai pas que tu te maries dans une telle famille. Jamais. Mais maman... Qu'est-ce que j'entends? Non, maman, j'ai Marine. Je veux l'épouser. Tu peux me fermer ta bouche? Si j'entends encore pareille chose sortir de ta bouche, t'auras de mes nouvelles. Ah, maman. J'espère que j'ai été assez claire. Tu m'as compris? Je ne te laisserai pas aller en mariage dans une telle famille. Oublie très vite ce jeune homme. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu ne sais pas que... Oh! Maman, c'est moi qu'on a conditionné. Oublie très vite ce mariage. Condition par-ci, condition par-là. Condition écrite, condition orale. Je t'ai dit, oublie ce mariage. Ça n'arrivera pas. Maman, je l'aime. Je l'aime et je vais l'épouser. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire.
Tu m'as entendu? Maman, c'est à moi qu'on a donné ces conditions, tu traverseras mon cadavre avant d'aller dans ce mariage. Quelles conditions est-ce que tu peux supporter? Au point d'aller donner ta vie? J'ai dit ce que j'avais à dire. Et la page est close. Maman, c'est quel mariage ça? C'est ce qu'on fera. Tu n'iras pas dans une telle famille, crois-moi. Elle te conditionne, c'est elle qui t'épouse? Très bien. Et dis le moigne. Mon fils. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Ah, bonjour, monsieur. Excuse-moi. Tu laves encore cette voiture? J'ai presque fini. T'as presque fini? Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette façon de laver ma voiture? T'arrives même pas à bien le faire. Non. Non mais regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé, monsieur. C'est parce que j'étais pressée. Parce que t'étais pressée, hein? Je pense qu'il est temps que t'arrêtes de laver ma voiture. Hey, je suis désolée, monsieur. Je suis désolée. Y a pas d'être désolée. Hein? Tout ce que je te demande, c'est de la laver. Et toi, tout ce que tu fais, c'est de bricoler ma voiture. Tu passes ton temps à la bricoler. Regarde-moi bien. Un odogo, dois-je rouler avec une voiture sale? Désolée, monsieur. Suis-je pas propre? Si, si, vous l'êtes, monsieur. Désolée, monsieur. C'est bon. Excusez-moi un instant, monsieur. Ah, je voudrais vous demander en service, monsieur. Parle, parle, comme tu peux voir, je suis en train de partir. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous... Tu vas parler? Pouvez-vous me donner un peu d'argent? J'aimerais changer mes sous-vêtements. Ceux que j'ai sont déjà déchirés, vieux monsieur. Des sous-vêtements. Tu sais que quand j'ai entendu des sous-vêtements... Tes sous-vêtements sont déchirés. Oui, monsieur. Et comment sont ceux que tu portes à l'instant? Ils sont aussi déchirés? Un peu, monsieur. Est-ce que je peux voir? Hey. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu sais que je peux pas faire ça là maintenant, parce que si je le fais, ma mère sera très en colère, alors je pense que tu devrais lui parler. D'accord? Ensuite, je verrai quoi faire. Oui, monsieur. Tu parles de problèmes de petites culottes à Odogo? Enlève ces choses, je veux partir. Oui, monsieur. Turn. C'est pas mal. Bien, 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 bien. À plus tard, mon fils. Au revoir. Ngonye, que disais-tu à mon fils? Rien, madame. Tu penses pouvoir me mentir sans que je ne m'en perçoive? Madame, non, Je lui disais juste que j'ai fini de laver sa voiture. Moi, Ninaï, écoute-moi et écoute très bien. Tu vois tout ce mensonge ou je ne sais avec lequel tu es venu dans ma maison? Ça ne marchera pas. Je t'avertis pour la dernière fois. Tu n'es qu'une menteuse et je ne vais jamais accepter que cela arrive. Je suis désolée. M'as-tu entendu? Je suis désolée. Maintenant, hors de ma vue. Désolée, madame. Je lui disais que j'ai fini de laver sa voiture. Je suis désolée. Hey! Donc, toi aussi, tu veux te faire écouter. Ici, dans cette maison. Jamais. Ça, jamais. C'est ce qu'on va voir. Je lui disais que j'ai fini de laver la voiture. Alors, comme tu peux voir, Odogo fait les bonnes choses, tu vois. Les bonnes choses ressemblent à Odogo. Tu comprends, tu t'attendais pas quand même à ce que je vienne avec une seule bouteille de vin, ça ne me ressemble pas. Hein? Mon frère, je m'en prie déjà de le demander, parce que je sais que ces boissons coûtent cher. Et juste une bouteille s'il te plaît, tais-toi. Tais-toi. Tu parles beaucoup trop, c'est ça mon problème avec toi. Je suis désolé, hey, mec. Je ne peux pas te taire juste pour... Qu'est-ce que tu dis de mal? N'est-ce pas la vérité? Que voulais-tu que je dise, mec? Je t'attendais à quoi en m'accompagnant dans cet endroit? Qu'est-ce que tu dis de mal?
Je ne savais pas. Tu parles trop. Tu t'accompagnes, mec. Un homme ne parle pas trop. Comme moi, tu parles un peu trop. On dirait une femme, tu parles, tu passes le temps. Oh. Ah, mon frère. Je vous salue, monsieur. Oui, je vais bien. Bienvenue, oh. Bienvenue. Merci, à toi, monsieur. Aussi. Ah. Ah. Bienvenue. Merci. Aïe, ma gueule. Tu sais, t'as très bonne mine. Ah, gloire à Dieu. On dirait un grand Dogu. Ah, soit des... Ouais, je dois l'avouer. T'as très bonne mine. C'est une soit des... Je suis ici avec mon ami, Tibona. Tu sais, nous sommes venus pour te donner ce vin et te dire aussi que j'ai découvert une très belle pomme dans ta maison. Tu sais, et cette pomme est déjà mangeable. Et cette pomme a déjà du jus. Et ce jus est si merveilleux. Il est si bon. Et tu sais, c'est ça qui m'attire dans cette maison. Alors je suis venu pour la voir et demander sa main en mariage. Dans ma maison? Ouais. Ah, j'ai 3 filles. Je ne sais pas de laquelle vous parlez. D'accord, je parle de la plus belle. Tu sais, on parle de mes filles, elles sont toutes belles. C'est un bon parleur. Il est marrant. Et il dit qu'il a 2 filles. Ah, c'est marrant. Sans problème. En fait, je parle de Anouli. Oh, Anoulika. Ouais. Oui. Hey. Oh. Anoulika. Oui, papa. Viens là. Elle arrive. C'est une très belle fille. Papa. Oui. Voici l'une de mes filles. Bon après-midi. Serait-elle dont vous parlez? Odogu ne peut parler que d'une très belle chose. Ma fille, connais-tu ces messieurs? Oui. Ok, tu peux y aller. Je te rappellerai plus tard. Vas-y. Quelque chose. Elle a beaucoup ressemblé à sa mère. Ta fille là, elle est très belle. Ah. Elle se prête à faire des sacrifices. Je dois avouer que tu fais des beaux enfants. Hein. Encore une fois, merci. Bienvenue au gang. Le patron est là. Le Z des Z. Lui-même. Oh, mon Oga. Ça va, Ozundu? Le Z des Z. Ouais. Je veux te parler de quelque chose. Ouais, de quoi s'agit-il? Nous sommes allés voir la maman d'Edith il y a quelques jours. D'accord. Avec du vin. Planifies-tu d'épouser 2 femmes au même moment? Mon cher, je ne peux pas comprendre. Pourquoi? Mais le temps viendra. Pourquoi ne me fais-tu pas comprendre, hein? Tu sais quoi? Allons à l'intérieur, je pense que c'est mieux. Et je t'expliquerai. Zé. Mon frère. J'aime quand tu me parles comme ça. J'aime quand. Tu me connais, non? Tu me connais. Allez, entrons. Thank you.
Ah. Tu dois beaucoup aimer les chips. Tu as fini 3 paquets de chips comme j'ai. En mettant tout ce jus, je ne savais pas que tu pouvais le finir. C'était petit. Petit? Tourne-toi un peu, je veux voir ce que tu as là. Est-ce naturel? Aïe, mais... Es-tu sûre d'être une bonne femme? Oui, maman. Sois la bienvenue. Puis-je te trouver autre chose à manger? Non, je n'ai pas faim. Es-tu sûre? Ok, donc tu n'as pas faim? Otoku, l'homme fort. Oui, mon frère. Ah, Otoku, Otoku. Vas-y doucement, t'es en présence Otoku de ma mère. Avec toi, j'ai confiance. Bienvenue. Un zèle milliardaire. Vu comment elle est jolie. Et t'es les noinets. Bonjour. Nanamuekwana. Nanamuekwana. C'est quoi encore, maman? Regarde comment t'es belle. Ah, ne me dérange pas. Je suis très fatiguée. Ne me dérange pas. Ouais. Tu me fais voir des gens entrer. Toute personne qui marche avec Tibouma. Et du Watsua. Tout le monde qui marche avec Tibouma. Nyako, Tibouma. Attendez que je me serve d'abord. Eh, mon frère, laisse ça. Laisse ça. Retourne t'asseoir. Retourne t'asseoir. On s'accueille. Tibouma. Maman, Tibouma ne peut pas finir mon argent. Une seule personne ne peut pas le finir. De quoi le milliardaire tout le monde peut manger. Cela ne me concerne pas du tout. Même pas un peu. Et les noinets. Nyan, Arinze, je veux te voir en privé. Tibouma, es-tu à l'aise? Accorde-moi quelques instants et je reviens. Surtout sans toi comme chez toi. En oui, privé, c'est en ça? En privé. Bien, bien. Attends, c'est le milliardaire. Avant que tu n'ailles voir Injili Loané, laisse un truc à boire ici. Moi, j'ai soif. Je dois me rafraîchir. D'accord, c'est bon. Je vais juste appeler la ménagère. Mais il y a du temps là, tu vas voir la ménagère. C'est bon, j'arrive. T'es à l'aise, n'est-ce pas? D'accord. T'es la bienvenue. Hein? C'est 1 milliard. Ouais. Mais comment tu vas? Je vais bien. Dis-le-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me faire ici? Je veux dire, n'a-t-il pas de domicile? Tu ne sais pas que depuis que vous êtes sorti le matin, vous passez du temps à boire, manger et tout, et il n'est jamais satisfait. Je l'ai moigné, Tibouma, c'est mon ami. Tibouma n'est pas ton ami. Il te suit juste à cause de l'argent et du plaisir que tu peux lui offrir. En Guinée, de fesse en fesse comme une mouche. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Dis-lui de rentrer. Idjele Moigny, c'est moi qui lui ai demandé de m'accompagner. Dis-lui de partir. J'ai quelque chose de très important à te dire. Idjele Moigny. Tu as bien entendu. Tibouma est un très bon ami à moi. C'est le seul qui est vrai avec moi. Il est vrai avec moi. J'ai quelque chose de très important à te dire. Dis à ton ami de partir. Dis-lui de partir. Idjele Moigny, ce que tu demandes à Odogu est compliqué. Hein? Odogu en avion. Odogu kwe nyoku nyakana. Ou tu veux que je le fasse de moi-même? Non, pas besoin de faire ça. Pas besoin de faire ça. Je vais le faire. Je vais lui dire ça moi-même. Sokonu moi, Jani, tu vois. Et tu l'éloignes. Calme-toi. Oh, je n'aime pas ça. C'est une très bonne personne. Je dis, je n'aime pas ça. Dis-lui de partir. Tu l'éloignes, je t'en prie. Je dis, je n'aime pas ça. Hé, attends, veux-tu que je le fasse de moi-même? Pourquoi fais-tu ça? Calme-toi. Vas-y, je t'en prie, calme-toi. Je t'ai dit que j'allais le faire. Hein? Otoku, j'ai dit, si tu ne le fais pas, je vais le faire. Je vais moi-même lui dire. C'est bon. Va lui dire avant que je ne le fasse. Il t'est éloigné. Oh. Je t'ai dit que Tibouma te suit juste pour ton argent. Tu ne m'écoutes pas. Tout ce qu'il veut, c'est venir manger, boire et puis chercher des femmes. Je n'aime pas ça. Du coup, tu m'as appelé, mais que se passe-t-il? Thibaut, il faut que tu partes. Je vais t'appeler plus tard. Comment ça partir? Ouais. Pourquoi? Quel est le problème? Tu m'as amené ici pour boire, hein? Et d'un coup, tu me demandes de partir. Pourquoi? Tibouma.
Comprends simplement ce que je te dis. Anodogu ne parle pas beaucoup. Je veux que tu partes. Je t'appellerai plus tard au téléphone. Hein? Et je fais comment? Je fais comment pour au taxi? Tu laisses le porte acheter quelque chose. C'est de ça que je parlais. Elsa! Ah, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu lui donnes beaucoup d'argent comme ça? Ça vient de Zé. Il m'a donné de l'argent pour me payer à boire. S'il te plaît, laisse-moi entrer, hein? Remets-moi ça. Tu peux partir maintenant. Partir. Va travailler, t'as pas d'argent. Ça, c'est pour mon fils. Zé, dis-lui, remets-moi mon argent. Mais non, je peux partir. D'argent pour l'utiliser. Je peux partir. Niba baba, Wokem, je ne veux plus jamais le revoir ici. N'importe quoi, plus jamais ici. Idile Nonne, mais viens me remettre mon argent. Zé, elle ne sait pas ce qu'elle fait, Zé. Hein? Chibuna, tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Je t'ai dit qu'en Odogu ne parle pas trop. Hein? Toi, tu parles un peu trop. Hey. Je veux récupérer mon argent. Prends soin de toi, mec. Je te verrai demain. Zé, mais c'est quoi tout ça? Zé! Chibuna, je te verrai demain. Comment Rinze peut-il laisser sa mère prendre l'argent qu'il m'a donné pour payer l'alcool? Pas possible. Tout un 10 000 naira. 10 000 naira! J'aime pas ça du tout. Je n'apprécie pas ce que ma mère me fait. Elle me pousse à bout. Je suis son premier enfant. Je suis pas prêt à me marier. Je ne suis pas prêt. Je dois d'abord profiter de la vie. Bien. Arinze, mais c'était quoi tout ça? Non, dis-moi, pourquoi m'as-tu fait honte devant cette fille? Idile Wanye, je t'ai pas foutu la honte. Mais c'est ce que tu viens de faire. T'aurais dû m'en parler avant que je n'entre. Écoute, je suis ta mère. Je sais ce qui est bien pour toi. Ok? Tu vas épouser cette fille. C'est moi qui te dis, tu vas l'épouser. Idile, j'ai vu la fille que je vais épouser. Nena, est la fille que tu vas épouser. Je suis ta mère. Et je sais ce qui est bien pour toi. Et quand je fais un choix, tu l'acceptes. J'éloigne, les choses ne se passeront pas comme ça. Hein? Tu ne peux pas me forcer à faire ce que je ne veux pas faire. Non. Je suis ta mère et je sais ce qui est bien pour toi. Je suis fatiguée, malade de te voir tester toutes ces femmes. Arrête ces dégustations. Épouse une femme, case-toi et donne-moi des petits-enfants. Arrête de monter et descendre avec les femmes. Et Dieu l'éloigne et chaque chose vient à son temps. Et quand? Quand est-ce que tu seras prêt? Quand est-ce que tu seras prêt? Oh. Moi, Dieu l'éloigne. C'est pas ce que j'étais en train de dire. J'ai comme impression que tu es en train de redevenir bébé. Tu es déjà vieux. Ah, je verrai de toutes les couleurs avec ma mère. Il faut que je me marie. Qu'est-ce que ça signifie? Madame, j'ai oublié de mettre la soupe au congélateur. Tu as oublié de mettre la soupe au congélateur? Super, à quoi est-ce que tu pensais? Et qui t'a fait oublier de mettre la sauce au congélateur? Je suis désolée, maman. Tu dis que tu es désolée? Tu dis que tu es désolée? Non. Mais tu n'as pas l'air d'être désolée? Non, non, maman. Je vais te dire une chose. Je vais t'apprendre à être désolée. Je vais t'apprendre à être désolée. Tu vas. Papa. Oui, ma fille. Je n'aime pas du tout ça. Pourquoi maman te traite-t-elle de cette manière? Je ne comprends pas. N'es-tu plus un homme? Quel est que fait que nous aignons à pour qu'il fouet, papa? Hein? Ma fille. Ousbouenou boukebou. Ma fille, ma magnifique fille. Tu sais, quand un homme connaît des difficultés financières, il perd sa valeur devant sa femme. Ce n'était pas le cas quand nous étions en ville.
J'ai toujours subvenu aux besoins de ta mère. Mais comme aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de la maison, alors elle se moque de moi. Papa, peu importe ce qui se passe, ta femme doit être sous ton contrôle, pas le contraire. Hein? Ce n'est pas normal pour un homme d'être commandé par sa femme. Ma fille, tu as raison, ma fille. Ce n'est pas normal. C'était magnifique fille. Tu as raison. Mais là n'est pas le problème, ta mère a complètement changé. Tu vois, cette femme n'est plus une épouse. Elle n'est plus une épouse. Mais je crois que très bientôt, je reviendrai en force. Très bientôt. Papa. Je redeviendrai moi-même. Ce n'est pas du tout justifiable. Hein? Je vois la façon dont elle te parle, dont elle te traite. Mais je vais te donner un conseil, s'il te plaît. Dans la vie, ne traite jamais ton mari de cette façon. Dieu peu importe garde. La situation. Je n'ai que Corona. Je ne pourrais pas me comporter comme maman. Car elle va payer tout ce qu'elle me fait maintenant. Non, je ne ferai pas comme elle, papa. Très papa, bien. Impossible. Ne le fais pas, je ne peux pas. Donc, je c'est ça. Alors, vous deux, vous êtes là à parler de moi. Donc, vous êtes là tous les deux à mal parler de moi. Maman, personne ne parle mal de toi. Je te l'ai déjà dit maintes fois. Je n'aime pas la manière dont tu traites papa, tout simplement parce qu'il n'a plus d'argent. Je n'aime pas ça. Hein? Pourquoi tu fais ça? Chielono. Uego cambie. Maman, maman, arrête de m'insulter. Si tu m'insultes encore. Nabouwa tokaroni disada katokudu. Il fait que kouwa makatcha maman. Iya tobeya. Maman, tout le mal qu'on fait, on finit par le payer. Chibuko, si tu es une jeune fille, parle encore de mon mariage. Essaye encore. Si tu brises mon foyer, mama, tu vas le payer. Mama, et Wonka. Mama, toi, qui de là? Maman Chibuko. Qui de là? Akadina Wokpe. Maman. Donc, vous êtes là à mal parler de moi. Mais vous voyez ce Dieu. Il vous jugera tous les deux dans cette maison. Maman. Chukuna Wedmon Mununa. Je m'adresse à vous deux. Papa, laisse-la partir. T'occupe pas de maman. Ne t'occupe pas d'elle. Hein? Ça va aller, ma fille. Regarde comment tu parles à papa. Ne t'inquiète pas. Oh, maman, digo, mao. Ne t'en fais pas, ma fille. Oh, digo, ma chère, ne t'en fais pas. Tu vois ta mère. Elle veut prendre la place. Elle veut prendre la place d'un homme. Papa, je n'aime pas ça. Ne t'en fais Qu'est-ce pas. Qu'est-ce qui arrivera à maman si elle t'appelle chérie? Mon cœur, bébé. Je ne comprends pas. Hein? Oh, coucou, nous, que Lazare. J'en ai déjà plus que marre de cette femme. Elle est plus satisfaite parce que j'ai de petites difficultés financières. C'est bon. À cause de ça, je suis plus un homme. C'est bon, papa. Ça va aller, ma chérie. Ça va aller. Tout va changer. Je vais te chercher à manger. D'accord, vas-y, ma chérie. Je t'apporte ton repas. D'accord, ma chérie. Ne t'occupe pas d'elle. Tu as raison. Tout va changer. Ne t'occupe pas d'elle. Il n'y a qu'une question de temps. Adèse, pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Au moins pour voir ma maison. Ça fait juste quelques jours que tu viens nous rencontrer. T'aimerais déjà que je vienne chez toi. Ça pose pas de problème. S'il te plaît, je n'aime pas ce genre de personne. Attends, attends. Pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, tu me feras plaisir. Ah. S'il te plaît, je veux descendre. Adèse, un instant. Merci pour la balade. C'est bon, il n'y a pas de souci. Mais calme-toi. J'aimerais te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas que tu te sentes mal, d'accord? C'est... Très bien. Adèse, veux-tu m'épouser? C'est quoi cette blague? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Attends, ça fait juste quelques jours qu'on vient de se rencontrer. Et là, tu me demandes en mariage. Ok, attends. Depuis le premier jour que je t'ai rencontré, j'ai su au fond de mon cœur que t'étais la femme de ma vie. Écoute, c'est vraiment très drôle. C'est vraiment fort. Je peine à te croire là, s'il te plaît. Je te comprends. Je vais te prouver que je suis très sérieux. Ok. Adèse, veux-tu m'épouser? S'il te plaît, dis pas non. Je t'en prie. Ada? S'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en prie. Je suis très sérieux. Je vais y réfléchir. Ada, je suis très sérieux. Tu comprends, je veux que tu portes ma bague. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Là, attends, s'il te plaît. Ada, descends pas, bébé. Ne dis pas non, s'il te plaît. Thank you.
Gona. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Je vais bien, oh. Où viens-tu? Je viens du marché. Attends, tu viens de ce marché si éloigné? Et d'après toi, ne connais-tu pas la personne avec qui je vis? Elle ne me donne jamais de frais de transport. Oh Gona, écoute, tout ça c'est de ta faute. Ma, je n'ai pas d'autre choix. Oh Gona, tu as le choix. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Comme d'habitude, elle m'a encore battue. Hey! Hey! Cette méchante femme t'a encore fait ça? Oh Gona, il est temps que tu quittes cette maison. Cette femme est très méchante, je veux dire, regarde ce qu'elle t'a fait. Tout ton corps te fait mal. Hein? Regarde ce qu'une jeune fille porte. Hein? Ce n'est pas beau. C'est de ça que tu parles? Ça, c'est mon habit de Noël. Ça, c'est mon habit de Noël. Mmh. Si je te montre mes sous-vêtements et te montre ce qu'il y a en dessous, tu auras pitié de moi. Ça ne cessera jamais de me surprendre. Attends, tu es sérieuse? Oh Gona, tu dois partir avant qu'il ne se fasse trop tard. Ou bien tu veux mourir avant ton temps. Tu dois faire tes bagages et quitter la maison de cette femme. Hein? Ma chérie, tu dois vraiment y réfléchir. Tu dois y penser, ok? Dis-moi, tu dois d'où viens-tu? Je peux voir. Je voulais juste acheter quelque chose. Là, okay. je retourne okay. chez moi. On se reverra. On se reverra, pareil, hein? Aïe. Ogona. Madame, bon après-midi. Quel bon après-midi? D'où est-ce que tu viens? Non, Ogona, d'où est-ce que tu viens? Ah, ah. Du marché. Du marché. Ah, depuis là, du marché. Je t'ai envoyé au marché depuis 10 heures. Et tu reviens à 14 heures pour venir me dire que tu sors du marché? Me prends-tu pour une folle? Avec tout ton zèle. Madame, j'ai dû marcher pour aller au marché. Et aussi en rentrant. Que tu aies marché en rentrant du marché, ça ne me concerne pas. Que tu aies marché en rentrant, ça ne me concerne pas. C'est quoi ce genre de bêtises que tu racontes? Hein? Apporte ça à l'intérieur. Écoute bien. On est zoubois. Écoutez-moi les histoires. Depuis 10 heures qu'elle est allée au marché, elle rentre à 14 heures. Non, c'est pas de sa faute. C'est de la mienne. Au moins une canne à l'autre, au moins une union qui n'est pas une canne, on est ni doudou n'enfia. Hein? Au djinnafia, au garçon, ok? Elle vient là et s'assoit. J'ai marché en rentrant. Es-tu la seule qui rentre du marché à pied? Écoutez-moi les bêtises. Je ne te blâme pas, je me blâme moi-même. On la ne fait pas. Il est ni à roudou bokoba, malo, kamba na wakacha. Oh Gona, j'espère que tu as déjà fini de préparer. Tibona, mon pote. C'est le milliardaire. T'as vu ces voitures que je t'ai montrées au garage? Oui. Elles sont nouvelles, elles sont arrivées il y a quelques jours. C'est le milliardaire. Elles sont magnifiques. Les bonnes choses suivent les bonnes personnes. Elles sont très belles. Et un odogu comme moi aime les bonnes choses. Ce sont des grandes voitures pour des gens comme moi. Allez, comprends? Un toast. Les milliardaires. Ah, tiens, avant que je m'oublie, je veux que tu m'accompagnes. Quelque part demain. Où ça, mon gars? Comme je te connais, toi, là. Tu te souviens de la fille que je t'ai présentée hier? Ah, c'est encore quoi son nom, là? Adèse. C'est ça, Adèse. Ouais. Comment va-t-elle? Ça fait un bail. On sort. Qu'est-ce que tu racontes? La faire sortir, nous la faire sortir? Juste pour savoir. Alors maintenant, tu utilises le nous. Hein? Non, mais sérieux. On doit se la partager. C'est bon, pas de souci. Ok, bien. Tu sais, je veux...
aller voir ses parents demain. Je veux m'y rendre avec du vin ensuite. La demander en mariage. Nzé. Ah, attends, ne me dis pas que t'envisages d'aller donner du vin à une autre famille. C'est ta quatrième famille, mec. Mon pote. Dis-moi, quel type de femme veux-tu épouser, mec? Arrête de poser des questions comme un novice. Hein? Écoute, pour que tu aies une belle femme, tu veux la voir pour toi seule. Tu dois l'amener vers toi. Tu lui mets une bague juste là. Une bague de fiançailles. Ensuite, tu vas voir ses parents. Tu laisses un peu de vin et un peu d'argent. Ça fera en sorte que la fille puisse croire en toi comme un dieu et elle fermera les yeux sur les autres hommes. Elle n'aura Dieu que pour toi. Ce n'est que comme ça que tu fais pour la voir. Elle sera toi à vie. À partir de cet instant, tu pourras recommencer ta vie comme tu l'as menée avant. Comme ça, si c'est ce que tu as fait. Eh, mon pote, qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre? Qu'est-ce que tu veux pas comprendre? T'es pas obligé d'être au courant de tout quand même. T'es là à comprendre. Alors demain, on se rend là-bas. Tu comprends? Tu dois apprendre. Donc en plus d'être milliardaire, Odogwu aussi très malin. Je pense. Oh, Idiawang, je pensais que tu dormais. Dormi à 7 heures. Non, j'étais dans ma chambre. À réfléchir à certaines choses qui tracassent un peu ma tête. Et à certaines choses qui m'amènent pas à réfléchir. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Tout va très bien. C'est juste que il y a un léger souci et je pense que la meilleure façon de le résoudre, c'est que tu me trouves 300 000 naira urgemment. Biko, plus tard demain. Mais maman, que veux-tu faire avec 300 000 naira? Qu'as-tu fait avec l'argent que je t'ai donné il y a 3 jours? Guignomosa, es-tu obligé de savoir ce que je fais avec cet argent? Pourquoi me poses-tu cette question, hein? Suis-je obligé de te dire ce que je fais avec cet argent? Ok, j'ai pas 300 000 naira pour le moment. Ma marchandise vient d'arriver il y a de cela quelques jours. Ah bon? Oui. Comme ça? Es-tu sûr que tu ne peux pas me trouver? Rassure-toi de me donner cet argent demain. Pas d'excuses. C'est pas possible. Hein? Que viens-tu de dire? Hein? Que viens-tu de faire? J'étais sur mon téléphone. J'ai cru que c'est à moi que tu faisais tout ça. Yomo, comment tu vas? Mon ami, bon après-midi. Bonjour ma chérie, d'où reviens-tu? Je viens de chez Ogoweyo, concernant le problème de maison avec mon oncle, Odomoto. Ah, de quel problème parles-tu? Quel problème? Tu es la seule personne dans ce village qui ne sait pas qu'il veut arracher l'unique parcelle de terre située en face de la concession de mon père. Pourquoi, Odomoto? Pourquoi veut-il prendre un terrain qui n'est pas à lui? Qui fait ça? Mon ami, je ne sais pas. Odomoto a juré de me tuer ma mère et moi. Juste parce qu'elle a refusé ses avances. Tu t'en rends compte? Attends. Mais que disent les Umona à propos de ça? Les Umona? Venez. Les Umona ne s'intéressent pas du tout à ce problème. Et je suis sûre que mon oncle les a tous corrompus. Ah? Non, écoute. S'il y a une chose que je déteste dans ma vie, c'est l'injustice. Ils doivent dire la vérité et faire ce qui est juste, non? Hein? Et qu'allez-vous faire maintenant? C'est pourquoi je suis allée voir le chef du village, Ogokwe. Parce qu'ils prendront la décision finale à la prochaine réunion. Hey! Je suis persuadée que mon oncle les a tous corrompus. Ça, jamais. Dieu m'en garde, pas mon père. Mon père ne peut jamais accepter ce genre de choses. Jamais. Ne t'inquiète pas. Hein? Je lui parlerai dès que possible. T'inquiète. Je parlerai à mon père. Arrête de t'inquiéter. Je parlerai à mon père dès mon retour. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Ne t'inquiète pas, hein. Bye-bye. Mes salutations à ta mère. Ok. D'accord alors. Bye-bye.
Obioma. Obioma. Donc, tu ne peux pas me saluer. Tu fais exprès de ne pas m'avoir vu. Et tu glèmes au jog, hein? N'est-ce pas toi que je m'adresse? Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu mon nom? Mais quoi, Wowo? Attends, c'est à moi que tu parles ici? Attends, moi? À moi qui est au Baluba? Hein? Non, à ce point ou à nous? Je suis ton égal? Ok? Grande sœur, laisse-moi tranquillo. Hein? Je suis très très en colère cet après-midi. Laisse-moi tranquillo. Je ne veux pas de problème. Qu'est-ce qui peut bien te mettre en colère? Qu'est-ce qui te met en colère? Tu es sourd? Je t'ai déjà demandé de me laisser tranquille. Suis-je obligée de te le dire? Je vois que tu commences à te prendre la tête. Tu te permets de me parler sur ce temps? Si je te chiffre cet après-midi. Obioma, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, parle à ta fille. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, peux-tu imaginer? Ça fait juste quelques minutes que je suis arrivée. Obioma est incapable de me saluer. Parce que qui n'a ça? N'importe quoi. Alors, si je te le permets, tu la battras en ma présence. Maman, maman, je vais battre cette fille. Je vais battre cette fille. Et que ça sort de ma. Au quoi, bon, quoi, quoi. Tu es très chanceuse, je t'assure. Idiote. Je ne l'ai pas insultée, maman. Je ne sais même pas quel est son problème. Va-tu te taire? Es-tu sûre que tu ne l'as pas insultée? Je ne l'ai pas insultée, maman. Es-tu sûre? Obioma. Obioma. Chibuko est ta grande sœur. Et alors? Elle est ta grande sœur et tu lui dois du respect. Respecte-la dans cette maison. Oh, Bona, allô, allô. Anna Takasea. Cette fille, aïe. Mon fils, où est-ce que tu vas? Es-tu en train de sortir? Oui, là je vais au marché. Mes clients me demandent. J'ai beaucoup à faire. Et à propos de ce que je t'ai demandé hier? Je te verrai à mon retour. Pour le moment, j'ai pas d'argent, d'accord? Mais je te verrai plus tard. Écoute-moi, je te le donnerai, très bien. T'inquiète. Je n'ai pas d'argent sur moi là maintenant, ok? Donc, j'attends. Donc, tu es en train de me refuser ton argent, n'est-ce pas? Maman, il faut que je parte là. Pardon? Je te verrai à mon retour, s'il te plaît. Actuellement, mes idées sont ailleurs, s'il te plaît. Je te donnerai cet argent, mais pas maintenant. Donne-moi juste du temps. Écoute-moi très bien. Pour ton information, je ne te supplie pas, oh. Non, 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 non. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas en train de te supplier, oh. Arinze, je ne te supplie pas pour cet argent, oh. Maman, je te donnerai, mais donne-moi du temps, s'il te plaît. Hey, Arinze, Arinze. Arinze. Soba Djouro. Continue de courir. Tu finiras par t'arrêter. Adjalaka, adjalaka, tchassi, mori. Maman, sois juste patiente, je reviens. Continue je reviens. De courir. Je dis bien de continuer de courir. Anofia. Oulu, dis-moi, noa, suaba. Ah, j'arrive. On nous prie, moi, moana. Maman, maman, je t'en prie, calme-toi. C'est à moi, ta mère, que tu refuses de donner l'argent. Ogo, tu goûtes à tout pour. Bye bye. Maman, je ferme le portail. Mba, ne ferme pas les sous-verts. Et où? Je constate que tu deviens très distrait, toi. Ne confonds pas. Madame, je peux fermer le portail. Laisse ouvert. Je me confonds. Ferme ce portail, mon ami. Et où? Et où, Zé? Isaku. Papa. Ma fille, comment tu vas? Papa, je ne vais pas bien, tout ne va pas bien. Que s'est passé là? Il s'agit en fait de la dispute de terrain entre Odumudu et Agosi, mon ami. Et qu'est-ce que tu regardes dans cette affaire? Papa, je l'ai vue sur la route en rentrant aujourd'hui. Elle était tellement abattue. Elle parla du fait que les Umuna veulent favoriser Odumudu parce qu'il les a corrompus. Pourquoi? Chérie, ma fille. C'est clair qu'elle n'est pas loin de la vérité. Mais pour être honnête, je dirais que cette affaire, tu sais, ne sera pas jugée en sa faveur parce que
Au cours de notre réunion, nous prendrons notre décision finale. Papa, pourquoi lui font-ils cela? Pourquoi font-ils souffrir cette pauvre femme? Est-ce parce qu'elles n'ont personne pour lutter pour elle? Écoute, tu sais, personne ne peut absolument rien faire pour elle. Cette affaire est l'affaire d'Omona. Ils ont la décision finale. Papa, pas quand il s'agit d'injustice. Papa, il faut que ça s'arrête. On doit faire quelque chose. Cela devrait se faire dans les règles. Je suis pour un bon jugement, mais il n'y a absolument rien que toi et moi puissions faire dans cette affaire. Papa, je me contrefiche que les Omona la jugent en faveur ou pas. Mais j'espère juste que tu ne fais pas partie de ces personnes corrompues. Parce que je sais que mon père était un homme juste. Bien sûr que tu sais que je ne fais pas partie d'eux. Mais tu ne peux pas te battre contre eux. Papa, je m'en fous. Parle-la juste. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je ne veux pas voir mon ami souffrir. J'espère je n'aime pas ça. Qu'il y aura un bon jugement. Hein? C'est mais nous ne pouvons pas nous battre contre les Omona. Mais papa, tu ne peux pas dire ça, Biko. Parle-leur, Biko. Pourquoi ces hommes sont-ils méchants, non? Hein? Ma fille, ce n'est pas parce qu'elles n'ont personne pour les défendre. Arrête de te mêler de cette affaire, ne te concerne pas. Papa, ça ne me concerne pas. Agossé, mon ami. Tu ne peux rien faire. Je ne resterai pas les bras croisés. Rien, absolument rien. Ils se permettent de corrompre les Omona juste parce qu'ils ont de l'argent. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas ton affaire. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça. C'est l'affaire de Omona. Et nous ne pouvons absolument rien y faire. Ogonna. Ogonna. Maman, bon après-midi. Ogonna, que fais-tu là? Tu dors? Rien, madame. Tu dis rien, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste me reposer. Te reposer? Te reposer. Ma calissou la foi. Iwulago, as-tu tué un lion? Tu te reposes parce que tu regardes. Ogona bachalanyae. Écoute, je vais dans la boutique de mon fils. Je veux que tu ailles à l'intérieur et que tu prennes soin de la maison, ok? Ok, madame. Otina quoi? Ok, madame, et tu t'assois. Allez, prends-moi cette chaise et va à l'intérieur, madame. Ok, madame. Lesiani. Hé, où est-ce que tu vas? Au Souekounema. Il est temps que tu quittes cette maison. Cette femme est très méchante, je veux dire, regarde ce qu'elle t'a fait. Tout ton corps te fait mal. Tu veux mourir avant ton temps, hein? MBB original. Yissou, tu veux voir mes cartes? MBB original, pick une carte. D'accord. Joue, continue. D'accord, carte. Hein? J'ai dit carte. Bonjour, madame. Carte, au lieu de chercher les clients? Madame, nous ne cherchons pas les clients. Ils viennent d'eux-mêmes. Isakini, donc ils viennent d'eux-mêmes? Oui, madame. Ça signifie quoi? Nos réponses, ça signifie quoi? Qu'ils viennent comment? Monsieur, tu ne vois pas là-dehors? C'est pour nous faire fermer la boutique et partir? Pour me dire qu'ils viennent d'eux-mêmes, hein? Ils viennent d'eux-mêmes et puis quoi encore? Ah non, fia! Bref, c'est pas pour ça que je suis là. En tout cas, c'est pas pour cette raison que je suis ici. Avez-vous fait une quelconque recette depuis le matin?
Do me after you got to know confession. Yeah, what goes around you must surely come around. When your time will reach, you know I balance. Do me after you, man, to know confession. Do me after you got to know confession. Hey, what goes around you must surely come around. When your time will reach, you know I balance. I am manu, I am manu, I am onike ya kunu. Now you start the movie, black in this African magic, you know. She trouble no they sleep me and gago they wake up. Reviens ici. Grande sœur, laisse-moi tranquillo. Grande sœur, laisse-moi tranquillo. Grande sœur, laisse-moi tranquillo. Attends, attends. Pourquoi dors-tu quand je travaille? Hein? Je ressemble à ton esclave? Ou bien? Je ressemble à ta ménagère. Grande sœur, laisse-moi tranquille. Que je te laisse tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est à moi que tu t'adresses. Que je te laisse tranquille. Chibuko. Je ne veux rien faire. Laisse-la tranquille. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman, cette fille m'a insultée. Et quand tu arrives, elle fait semblant de pleurer. Hey, hey. Maman, je ne lui ai rien fait. Elle a commencé à me battre. Je ne t'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai battue? Maman, je ne lui ai rien fait, je le jure. Elle a commencé à me battre derrière. Hey, tu me vois au cafon. Chibuko. Tu me traites de mentos? Chibuko. Comment t'a-t-elle insultée? Maman, ce n'est pas la première fois. C'est la deuxième fois que cette fille m'insulte. Mori warmana, ta solito vienne waro. Ton cerveau ne fonctionne pas bien. Je t'ai posé une question. Comment t'a-t-elle insultée? Oh, Bioma. Chibuko est ta sœur aînée. Donc tu n'as aucun respect pour elle? Ne sais-tu pas quelle est ta sœur, aînée? Ok, Ibe. Ibe Dugonu. Juge suppléant. Okunora. Obioma, tu as insulté ta sœur. Obioma, tu as insulté ta sœur. Ne touche plus ma fille dans cette maison. Si jamais elle t'insulte, dis-le-moi. Etanumia, ne la touche pas à nouveau. Maman, alors c'est toi qui envoies cette chose à m'insulter. Ma oufoke, Emi, bouke. Maman, tu as entorsé. Tu vas te tuer dans cette maison. Man, comment ça? Dis-moi comment est insulté. Bah, Chibuko, n'as-tu pas honte de toi-même? Tu as honte de toi? Toutes tes copines sont mariées. Tu prends soin de leurs enfants. Tu es là à faire le commérage. Ça suffit. Laisse-moi parler. Écoute-moi. La prochaine fois que tu touches cette fille, je vais te couper cette bouche. N'égaille pas. Essaye encore de la toucher. N'importe quoi. Aïe. Reviens ici, Obioma. Papa, laisse-moi. Tu demandes de revenir papa, ici. Papa, laisse-moi tranquille. Tu vois comment tu parles, papa. Remercie Dieu. Papa, laisse-la pour moi. Ah. Elle finira par sortir. Cette petite chose. Mawakchi. Obioma. Tu ne resteras pas là-bas. Tu ne resteras pas là-bas éternellement. Pourquoi pleures-tu? Ma fille, pourquoi pleures-tu? Gilbert, viens. Fidèle, que se passe-t-il? Quand tu entreras, tu sauras si quelque chose ne va pas. Suis-moi. Ma chérie, que se passe-t-il? J'ai dit suis-moi immédiatement. Attends, tu as un problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me cries dessus comme un bébé? Ne crie pas sur moi, oh. Et ne me fais pas attendre. Est-ce quoi n'a pas d'essai? Fais très attention à moi, femme. Né,
ma chérie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Hein? Dis-moi, parle pas, dis-moi tout. Hein? Qu'ai-je fait pour que maman me déteste de la sorte? Dis-moi quel genre de bonne manière je ne lui montre pas pour qu'elle continue de me traiter de cette façon. Est-ce de ma faute si je suis encore célibataire? Est-ce de ma faute si je ne suis pas mariée? Est-ce de ma faute? Pourquoi maman me fait-elle ça? Pourquoi maman me fait-elle ça? Ifoma, oh. Ifoma. Tu es toujours là? J'ai dit d'entrer. Viens. Ne me provoque pas, sinon je vais te faire mal. Gilbert, toi, faire du mal à moi. Fidelia. Je dis que je vais te faire du mal cet après-midi. Je peux voir que tous les deux, vous complotez contre moi. Tous les deux, vous devriez avoir honte. Vous vous associez pour mal parler de moi. Dégage. Tu peux rester allez, là. Dégage. Ils n'ont pas honte. Retourne dans tes casseroles, vieille sorcière. Ne l'écoute pas. Ne t'occupe pas d'elle. Tu es belle. Tu es même très belle. Tu sais, tout jeune homme voudrait t'avoir comme sa femme. Arrête de pleurer. Amen. Ne prends pas en compte ce que ta mère te dit. Amen. Nam. Amen, oh. Tu es encore jeune et belle. Dieu te donnera ton mari. Tu es une bonne personne. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné une fille comme toi. Hey. Sois patiente, tu auras ton mari. Sois la bienvenue. Viens. Sois la bienvenue. Assieds-toi. Wow. Moi, c'est ma modeste maison. Merci. C'est vraiment mignon. Merci. Alors, dis-moi, comment t'es-tu enfuie? Ah. C'est très amusant. Hmm? La femme est partie pour la boutique de son fils. Et a oublié ses clés au milieu de la table. Aussitôt que j'ai vu ses clés, l'idée m'est venue en tête. J'ai pris les clés, entré dans sa chambre et je me suis servie. Waouh! J'espère que tu as pris une grosse somme d'argent. Oui, j'ai pris 200 000 naira et une boîte de bijoux. Ok. Et comment as-tu fait pour convaincre le gardien? Celui-là, il dormait dans sa chambre et a laissé le portail ouvert. Donc, c'était très facile pour moi de m'enfuir. En tout cas, c'est très bien. Mais si j'étais toi, j'aurais pris 500 000, la moitié d'un million. Oui. C'est beaucoup ça. Ah, vraiment 500 000? Je n'ai pas ce genre d'esprit, non. Je ne peux pas faire ça. Non. Ces 200 000 sont suffisants, c'est bon. Je t'ai gardé à manger. Apporte les plats. C'est une bonne chose parce que tu sais que je ne cuisine pas. Quand as-tu cuisiné dans ta vie? Laisse tomber. Apporte les plats. Hey! Qu'est-ce que j'ai été bête! J'ai oublié mes clés derrière moi. She trouble no dey sleep me and can't go dey wake up. I waiting in the fire. Do me a do you mess no go back. Cette fille m'a vraiment tué. Eh Seigneur, cette fille, elle m'a tué. Cette fille m'a vraiment tué. Charlie.
Dépêche-toi. Faut-il que je t'appelle deux fois pour que tu puisses répondre? Aïe. Où est ta collègue? Ogonawa. Qu'entends-tu par Ogona? Non. Tu veux dire que Ogona a quitté cette maison? Elle est partie de cette maison et tu n'étais pas au courant? Aïe. Je n'ai pas vu Ogona, madame. Je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu? Ogona a volé mon argent. Et là, il n'y a aucune trace d'elle dans la maison. Et tu me dis que je ne sais pas où Ogona est parti. Madame, je ne savais pas qu'Ogona est une voleuse. Ogona est désolée. Comment oses-tu encore me poser cette stupide question? Oh, tu ne sais pas que Ogona a volé mes affaires. Je ne sais pas. Je... Maintenant, elle est partie de cette maison et mon argent avec. Madame, je ne peux pas vous mentir, non? Depuis que je suis née, je n'ai jamais menti. Tu ne peux pas me mentir. Mm-hmm. C'est une bonne chose. C'est au bon mon cas. Ami, tu as intérêt si tu essayes de me mentir. Il n'y a aucun moyen qu'Ogona soit parti sans que tu ne saches. Amaroune et Kélé, prie ton Dieu que tu ne sois pas parmi. Non, madame, ce n'est pas moi. Stupide. Ferme. Aïe. Hey, ça ce sont les problèmes ou... Un problème? Oui, un problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié la boîte à bijoux. Ce n'est pas vrai. Comment? Où ça? Je l'ai laissé au portail, je crois, parce que je pensais que quelqu'un pouvait m'attraper avec ça, donc je l'ai laissé près du portail, oui, c'est là où je l'ai laissé. Ah, Ogona! Mmh. Comment as-tu pu faire ce genre de choses? Je veux dire, pourquoi l'as-tu oublié? Attends, je vais la chercher. Assieds-toi, où comptes-tu aller? Je vais la chercher. Quelqu'un pourrait te voir, s'il te plaît, assieds-toi. Non, je vais me dépêcher, je vais convaincre le gardien, je vais le supplier. Je ne sais pas comment. Écoute, parler, je le saurai. Écoute, Ogona, fais gaffe à toi. T'inquiète, laisse-moi y aller, hein? Laisse-moi y aller. Laisse-moi voir si ce gardien peut me répondre. Qui est-ce? Qui est à la porte? Hey! Chinekeme! Ogona! Que fais-tu ici? Chut. Hey, Ogona! Mounyusu! Ogona! Ogibia!
Pourquoi tu veux me mettre dans les problèmes? Pourquoi? Arrête ça. Je veux juste quelque chose, hein? Écoute-moi, laisse-moi parler, hein? Ogona, Mathieu. Ogona, si madame te voit. Ma boîte à bijoux est là-dedans. Ogona, tu ferais mieux de partir. Parce qu'il y a des problèmes si madame t'attrape ici. Manu Wotiki là-bas. Ogona, papa. Écoute que je te dis. Ogona, Nda Wotiki là-bas. Nda Dime. Ogona, quitte d'ici, s'il te plaît. Je commence par entrer, on ne doit pas me voir avec toi. Attends. Ogona, papa. Pas. Tchai. Il n'a même pas voulu m'écouter. Je pensais qu'il pouvait au moins m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi reprendre mon souffle. Ok, c'est bon. Dis-moi ce qui s'est passé. Ma, je n'ai pas pu. Le gardien m'a averti. Mais mes yeux étaient fixés sur la mission. Si ce n'était pas Dieu, elle m'aurait arrêté. Ogona, ne t'ai-je pas averti de ne pas y aller? Si. Attends, j'espère que tu n'as pas été suivie jusqu'ici. Suivie? Non, personne ne m'a suivie. Tant mieux, parce que moi je n'aime pas les problèmes. Du tout. Ma boîte à bijoux. Toute ma souffrance. Hey! Apparemment, tu aimes prendre des risques. Dis-moi, qu'est-ce que cette boîte à bijoux a de si spécial? Ne peux-tu pas l'oublier et la laisser partir? Ma, non, cette boîte à bijoux, c'est ma souffrance, hein? C'est comme 5 ou 6, hein? Non, j'ai trop souffert. Pas la boîte à bijoux. Hey! Ogona, tu as souffert. Ah, je suis de retour. C'était une journée fabuleuse. Idjelewaï. Es-tu allé à la boutique aujourd'hui? Cesse d'appeler mon nom, non? Cesse d'appeler mon nom. Na koma kosatseni. Ngoma fioko, ngoma soko, ngoma. Je comprends pas, comment ça? Ogona. Ogona a pris mes 200 000 naira. Naoja. T'es en train de dire que Ogona t'a volé 200 000 naira? Exactement. Avec mes clés, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai oublié mes clés ici. Et lorsque j'arrive, automatiquement je prends mes clés, je pars dans ma chambre. Quand j'arrive dans la chambre, je ne vois pas mon argent. Ogona est dans sa chambre? Non, elle n'y est pas. As-tu appelé son numéro? Bien sûr, mais son numéro ne passe pas. Hey, cette fille est une grosse voleuse. Oloni. Idjelewaï, j'aime pas du tout te voir dans cette humeur. Alors, t'inquiète pas pour ça. Mes 200 000 naira ont disparu et je ne dois pas m'inquiéter. N'est-ce pas une raison de m'inquiéter? Je ne veux pas... J'aime pas te voir énervé, je vais te les rembourser tes 200 000 naira, si ça peut te faire changer d'humeur. Mon fils, même si tu me donnes 1 million, écoute, ces 200 000 naira qu'elle m'a volé, c'est que c'est pas moi. Maman, Ogona s'est payé avec cet argent, laisse-la partir avec. On va la laisser avec. Ogona a décidé de partir. Mon argent, si elle ne me ramène pas mon argent, ce que je vais faire à cette fille, elle va souffrir. De toute façon,
Moi, mon point de vue est Bico, arrête de me raconter des sales histoires. Il faut que cette fille me ramène mon argent. Si elle ne me ramène pas mon argent, je vais la traiter. Je vais la tuer. J'ai comme impression qu'elle ne sait pas à qui elle s'attaque. Ogona va me ramener mon argent. Elle va le faire. Elle va me ramener mon argent. J'allais te donner mes 200 000 naira. Parti. Elle va revenir me donner mes 200 000 naira. Je ne peux pas laisser. Je ne vais jamais laisser ça. Je ne peux pas laisser. J'ai dit que j'allais te les donner. Ogona. Comment Odo a pu me faire ça? La maison de mon mari. Odo, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu va les punir. Dieu va tous les punir. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Personne ne peut parler pour moi. Qu'allons-nous faire maintenant? Pourquoi Odo nous a fait ça? Chibuko. Chibuko, moi, la seule chose que je possédais avec ma fille vient de nous être enlevée. Agosé, que s'est-il passé? Je pensais qu'ils attendaient le dernier jugement. C'est vrai. Hein? Le jugement final a été un faute. Eh oui, Chinekene, pourquoi? Dieu va punir tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Maman, écoute, c'est bon. Laisse-moi rentrer à la maison. Il faut m'entendre. Ramène-la à la maison. Merci, ramène-la à la maison. Ramène-la à la maison. C'est bon. Oh, mon mari, si tu étais encore en vie. La seule parcelle de terrain. La seule parcelle. C'est ce que tu feras. La seule parcelle de terrain que mon mari m'a laissée. Où est papa? Il est rentré? Non. Pas encore. Ce n'est pas grave. Oh, Bioma. Oui, maman. Où est Chibuko? Je viens de l'avoir passé. Oui. Elle venait juste d'arriver et elle a demandé après papa. Elle vient juste de partir. Elle vient de partir? Elle vient de partir, juste comme ça. Quelque chose s'est passé. Maman, je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas. Elle ne m'a rien dit. Elle est juste partie. Juste comme ça? Oui, maman. Oda, de quoi? Oh, Nanjo. Nanjo. Omona. Je voulais remercier chacun d'entre vous pour le soutien que vous m'avez apporté dans cette affaire que j'ai apportée devant vous. Bikon, Aïwello, Mwambelepa. Ouais, tout chambele. Hein? Merci. Odomodo, s'il te plaît, ne me compte pas parmi ces gens-là. Quoi? Parce que je n'en fais pas du tout partie. Hé, hey, Izuban Madiba. Izuban Madiba, je te le dis. Je dis ferme ta bouche. C'est quoi ces bêtises? Les voilà. Laisse-le partir. Regardez-les. 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 Chibuko, qu'est-ce qu'il y a? Papa, parle à ces méchants hommes qui se font appeler les Omuna. On a cousina, non. Et nous, que nous, on a. Bande de méchants. Regardez-les. Même toi, Ogogwe. Hey, nous, on est. J'ai tellement honte à ta place. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne fais rien, maman. Es-tu revenu du champ avec tout le bois que je t'ai demandé? Je t'ai posé une question. As-tu ramassé le reste de bois? Bref, ce n'est pas ça le sujet. On m'a dit que tu as insulté les Umumna aujourd'hui concernant un problème qui ne te regarde pas. Chibuko,
Ina mwakanu intikayenu. Mets-toi juste en tête que si jamais ça tourne mal, tu dois être prête à l'assumer. Maman, je ne parle de rien du tout. Pas de problème. L'injustice doit enfin s'arrêter dans ce village. Ok. Sois juste prête à en assumer toutes les conséquences. J'ai dit ma part. Tu es responsable. Si jamais ça tourne mal, tu assumes les conséquences. Oh, roi de Rokoko. Excusez-moi, où allez-vous? Et qu'est-ce que ça signifie? Et je peux savoir, qui êtes-vous? Je te retourne la question. J'espère que vous n'êtes pas l'une de ces filles qui persécutent mon fiancé à cause de son argent. Ah, et qui est ce fiancé dont tu parles? Arinze, bien sûr. Arinze, tu dis? Oui, c'est ça. De quelle Arinze tu parles? Celui-ci, hein? Bien sûr. Oh, la grosse... La grosse viande. Salut. Merci, ma chère. Bien, je suis venue voir si tout allait bien. C'est bon. Tu vas bien? C'est rien, je vais bien. Chérie. Oui, chérie. Qui est-elle? C'est aussi l'une de mes grosses, grosses viandes. Je demande, qui est-elle? Mais elle est là devant toi, t'as qu'à lui poser la question. Tu demandes qui je suis? Tu veux savoir qui je suis? Oui, qui es-tu? Je vous en prie, je vous en prie. Vous n'allez quand même pas faire du drabuge ici. Qu'est-ce qui se passe ici, bébé? C'est moi arranger ça, ok? Attendez, attendez. Bon après-midi, maman. Qui sont tous ces gens? Bon après-midi, maman. Ah, je sais pas ce qui lui prend, elle veut m'arracher à Inzé. Qui es-tu? Et que fais-tu ici? Et vous, hein? Ah, toi aussi, vas-y, vas-y, suis-les. Elles sont après Odogo. Allez, bagarrez. La personne qui gagnera Odogo. Oh. Nous avons besoin d'une femme forte. Non, ne me touche pas, ça ne va pas dans ta tête. Libérez ma maison. Mais qui est cette folle? Qui est cette folle? Ça ne va pas dans ta tête. Attendez, attendez. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Peux-tu la mettre bien? Tu peux poser la même question. Mais qui est cette folle? Touche-moi encore. Ne touche pas. Mais dégage. Qui est cette folle? Sors de cette maison. Qui est cette folle? Dégage. Allez, allez dehors, dehors, dehors. Je dis dehors. Arinze est à moi. Arinze m'appartient. Il est mon homme. Allez, sortez. Sortez de cette maison. Tu vas sortir de cette maison. Dehors, dehors d'ici. Allez, vous en touchez. Dehors. Ne me touche pas. Dégage d'ici. Allez. Laisse-moi, allez. Amour, petit bébé. Ouais, je suis à la maison. J'espère que tu viendras, je t'attends tout de suite. Petit bébé. Pardon? Arinze. Attends, je te rappelle. Qu'est-ce que signifie cette bêtise qui vient de se passer là-dehors? Idjelemoigne, calme-toi. Non, attends. Ne me demande pas de me calmer. Est-ce vrai que tu es allé voir le parent pour leur dire que tu voulais prendre leur fille comme épouse? Oka moani boani ma porta pour toi. Djele moani, calme-toi, hein? C'est toujours moi, Odogu. Pouchouchou, pourquoi est-ce que je vais me calmer? Je t'ai amené une belle et très respectueuse fille que tu devais épouser. Djele moani, ne me blâme pas. Tu sais, tu vois, je dois goûter à beaucoup de femmes avant de choisir celle que je vais épouser. Elles sont tellement nombreuses, il n'y a qu'à choisir. À peine t'es sur celle-ci que tu vois l'autre passer. L'autre a toutes les formes. L'autre est plus jolie. Pendant que l'autre est plus belle, tu sais plus où mettre la tête. Si d'ici là, je ne vois pas ta femme. Qu'est-ce qu'on en fougno? Non, qu'est-ce qu'on fortuno? Eh ben, je te l'ai dit. Écoute-moi très bien. Juste pour ton information, tu dois épouser cette fille de Nena. Enousgué. Et tu ferais mieux de te lever de la poêle et voir si tes poules ont fini. Je ne comprends pas comment tu peux prendre l'initiative d'aller rencontrer chaque parent de chaque fille. T'as vu les femmes là-dedans, elles sont nombreuses. De toute façon, c'est pas toutes les femmes qui doivent se marier. Ah, j'étais en train de plaisanter. Et ça moi que tu t'adresses à Nanfia. Et maman, sérieux, c'est pas toutes les femmes qui sont appelées à se marier. C'est de toi-même que tu es en train de te moquer. Il y en a celles qui aiment s'amuser aussi. Et il y aura toujours des gens comme moi pour en choisir. Choisir. Tu veux jouer? Alors on va jouer.
Grimona, Arinze, Arinze, elles sont là. Elles n'ont qu'à se battre pour moi. Elles n'ont pas partir, hein. Cette petite ne s'en sortira pas comme ça. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Elle va le payer. Et mes querido Higuain. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Oui, messieurs. Comment tu vas? Nicolas, donne-lui le message que tu as pour elle. Cette lettre, viens, Tézené. Eh bien, c'est ta lettre. Une lettre pour moi? Oui. Oui, bien sûr, pour toi. Merci. Ah, Nicolas. Comment tu vas? Ah. Est-ce que tout va bien? Oui, nous sommes venus lui apporter un message. Nico, allons-y. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit, juste que les Omuna m'ont envoyé une lettre. As-tu lu le contenu? Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas encore ouverte. Vas-y, ouvre-la, nous saurons ce qu'elle contient. Maintenant que nous leur avons remis la lettre, je veux dire, à elle, que va-t-il se passer? Tu as raison, parce que les Outecha n'ont pas d'autre choix que d'obéir aux ordres des Umuna. Makarani Bosokolo, Okore Adakerewa. Bah non. Bah, observons juste. Nicolas, attends. Et si elle nous désobéissait? Oudemba, c'est toi qui as dit ça? Oui. Après tout, elle n'est pas la première victime. Et le Gilbert que je connais ne lui permettra pas de faire une telle chose. Ou alors sa famille en assumera les conséquences. Tu as raison, mais croisons les doigts. D'accord. Hein? Parce que je sais qu'elle a parti de maintenant jusqu'à 24 heures. Hein? Voyons ce qui va se passer. C'est d'accord, okay? C'est d'accord. Hein? Hein? Au merci, et passe le bonjour à ta famille. À plus tard, d'accord? Okay, merci, d'accord. À plus tard. Je suis sûre qu'ils sont en train de rêver. Je ne pense pas que c'est à moi qu'ils s'adressent. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hein? Moi, Shiboko, partie de ce village, je n'irai nulle part, papa. Je le redis encore, je n'irai nulle part. Ha! Dieu m'en garde. Ma fille, je t'avais prévenu. Mais tu as refusé de m'écouter. Tu vois ce qui arrive maintenant. Ces gens sont des personnes très méchantes. Les Omuna sont très méchants. Papa, je m'en fiche. La justice va triompher, ça m'est égal. Qu'est-ce que je leur ai fait? Ils ont pris la décision. Je t'avais prévenu. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Guinée. Fidélia, regarde ça. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? L'Omuna aurait pu dire Chichiboku. On doit partir de ce village dans les prochaines 24 heures, où toute la famille en assumera les conséquences. Ah! C'est ça le résultat. Shibuko, as-tu vu? Est-ce que tu vois? Hein? Ona kokuna kwanti, onoko, et Felici, ou chez Soli. C'est mieux de commencer à chercher où tu vas aller, parce que je ne suis pas du tout prête à accepter que tu me mettes dans des problèmes dans ce village. Tu avais dit que tu en assumerais. Papa, écoute, allons et supplions les Umuna, hein? Écoute, c'est la seule option que nous avons. Ma sœur ne partira pas de ce village où Pico. Ma fille, écoute, il n'y a plus rien à faire. Ils ont pris leur décision. Je me fiche de ce que les gens disent. Je me fiche pas mal de ce que les gens peuvent raconter. Tout ce que je sais, c'est que moi, Shiboko, je ne partirai pas de cette maison. Je ne partirai pas de cette maison. Les aînés n'ont aucun droit de me faire partir d'ici. Ne me dis pas de partir, je ne partirai pas d'ici. Ha! Odibo fait débogner. Akoro. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Akora, oui. Je n'ai jamais. Mon frère, dépêchons-nous, nous sommes arrêtés. Nekba! Moi qui n'ai pas. Oh, ok, allons-y, évitons le problème. Allez, allons-y. Et on fera mieux de se dépêcher. Allons-y. Vous punir. Ouais, c'est ça. Faut pas lui parler. Allons-y. Méchant homme. Hey! À cause de ces hommes,
Chivoko doit partir de ce village. Hey, Dieu va tous vous punir. Je vous jure que cette terre ne vous appartiendra pas. N'importe quoi. Méchant homme. Méchant. Attendez, vous allez voir. Avec les 200 000 naira que je possède, je dois réfléchir à ce que je ferai avec Go. Peut-être un petit business. Oui, un petit business serait mieux. Au lieu de retourner au village, juste pour fuir les problèmes. Ma. Ogona. Ma. Qu'est-ce qu'il y a? Ogona, j'ai de sérieux problèmes. Hey! S'il te plaît, j'ai besoin que tu me prêtes 20 000 naira dans ton argent. J'en ai besoin pour faire quelque chose. Je te promets que je te rembourserai la semaine prochaine. Ma, si tu me l'avais dit hier, hein? D'argent que j'ai volé à ma patronne, je l'ai envoyé à ma mère au village. Hey! C'est quel genre de problème? Qu'est-ce que tu racontes? Ogona, s'il te plaît, je te promets, je te rembourserai. Tu me connais, je te rembourserai. Ma, tu n'es pas quelqu'un à qui je peux mentir. Si tu m'avais demandé cet argent hier, c'est quoi 20 000 naira, j'aurais ajouté en surplus et te le donné. Je n'en ai pas, je te dis la vérité. Tu dis que tu n'en as pas, ou alors tu ne veux pas me le donner. Maintenant plus personne ne me croit. C'est bon. Donc, c'est bon. Tu ne veux pas me donner. Pas de problème. J'ai compris. Ma. Hey! Les ennemis du progrès. Mais 200 000 naira, elle me demande de lui prêter 20 000. Prête-moi 20 000. Maintenant, elle veut que je lui prête mon argent. Donc, tu as les yeux sur mes 200 000. Viens prendre 20 000 naira. Nofia, elle me dit je te payerai lundi. Quand je souffrais pour avoir cet argent, tu n'étais pas là. Maintenant, tu en veux. S'il te plaît, laisse-moi réfléchir. Je ne te dois pas d'argent. Ah, Gilbert, mon frère. Comment tu vas? Odem. Comment ça va? Comment va ta famille? Comment tu vas? Ezema. Ezbomma. Edebotie. Non. Edukuko. Ekamebelema. Mais le problème est que Udemba et moi sommes venus chez toi hier. Nous ne t'avons pas trouvé. Mais où est-ce que tu étais? Dois-je m'inquiéter? Tu dois t'inquiéter à cause de ta fille. Pourquoi n'a-t-elle pas encore quitté le village jusqu'ici? Mon frère. Je ne te comprends pas. Pourquoi? Dis-moi pourquoi il est encore là. On décidait qu'elle parte. Tu sais que je suis un homona. Mais... Qu'est-ce qui te prend? Elle n'en est pas où aller. Je ne sais pas. Elle a jusqu'aujourd'hui pour partir. Ou tu subiras les conséquences. Je te parle en tant que frère. Ça, c'est ton affaire. Il n'y a rien que je puisse faire. Ce n'est pas mon problème. Sinon, comment va ta famille? Elle va bien, mon frère. D'accord. Alors, observons-la. Rassure-toi que demain, elle ait quitté le village. Parce que nous ne voulons pas les problèmes dans ce mieux, village. Mon frère. De toute façon, je t'aurais prévenu. Merci beaucoup. Je ferai de mon mieux. Allez, salutations à ta famille. Merci. Repentez-vous, mes frères. Repentez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a racheté nos vies. En mourant sur la croix, il a racheté nos vies. Il a racheté nos vies en versant son sang sur la croix. Quel est ce genre de vie, hein? Ça fait déjà 30 minutes que je marche. 30 bonnes minutes. Il faut que j'y pense. Une femme peut être plus rusée que je ne le suis. Loin de là. Si je lui disais maintenant, elle va croire que j'ai beaucoup d'argent. Je
Je m'en souviens. Je m'en souviens. Oh, oh, oh. Oui, c'est là. Hey. Dieu merci, enfin à la maison. Ma n'est pas là. Je pense que c'est l'occasion pour moi de sortir mon argent du sac. Blague. Ah. Qu'est-ce qui... Hey! Mes 200 000 naira. Hey! 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 Qu'est-ce qui est arrivé à mon argent? Hey! 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 200 000 euros, 200 000. Eh, oh, Timo, c'était 200 000. C'était 200 000. Hey! Eh oh, hey, où sont mes 200 000? Hey, hey. Qu'est-ce qui se passe? Je cherche mes 200 000 euros. Mes 200. 200 000? 200 000? De quel 200 000 parles-tu? Tu fais comme si tu ne sais pas de quoi je parle. Les 200 000 que j'ai pris chez ma patronne, où sont-ils? Oh, s'il te plaît, ne me crie pas dessus. Tu veux me crier dessus dans ma propre maison? C'est quoi ça? Attends, 200 000? Parles-tu du même argent que tu m'as dit que tu as envoyé à ta mère? Oui, je t'ai menti. Hein? J'ai menti, je ne l'ai pas fait. Parce que je voulais lancer mon business. Donne-moi mes 200 000 naira. Ah! S'il te plaît, je ne sais pas de quoi tu parles. Si c'est une blague, s'il te plaît, arrête ça. Arrête ça. J'ai l'air de blaguer avec toi. Ma, où sont mes 200 000? Je ne les ai pas. Tu ne vas pas me dire que cet argent s'est levé et a disparu de cette maison? Je ne sais pas et je m'en fous. Tu me cries dessus dans ma propre maison. Oh, s'il te plaît. Ma, tu blagues. Ma, tu blagues. Oh, excuse-moi. T'excuser? Tu n'es pas excusée. Tu n'es pas excusée, ma. Parce que tu me prêtes ta maison, tu penses que tu peux m'oppresser. Donne-moi mes 200 000 naira. Donne-moi mon argent. Qui fait ça? Hein? Un argent qui n'a même pas eu le temps de travailler. Ne me cherche même pas. Ah ah. Comment 200 000 naira peuvent-ils disparaître aussi facilement? Comment? Ne me cherche même pas. Tu vas revenir me trouver ici. Je ne t'excuse pas. Je ne t'excuse pas. Je t'attends ici aujourd'hui. Cette fille ne sait même pas à qui elle a affaire. Hey. C'est quoi encore le problème, ex? J'en sais rien. T'es sûr que la voiture va bien? Alors, t'as vu, c'est quoi le Qu'est-ce souci? Que je comprends pas cette chose. Hein? Cette voiture ne m'a montré aucun signe qu'elle tomberait en panne. Sinon, j'aurais pris l'autre voiture. Essayons d'aller chez ton mécanicien. Je pense que son garage n'est pas... Non, ici. Mais sérieux, tu t'entends parler? Alors quelqu'un comme moi doit marcher? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu t'attends à ce que je marche jusque là-bas pour avoir un mécanicien? Sérieux, tu t'entends parler? Hein? Trouve un moto-taximan ou bien tu appelles le mécanicien? Mec, te fais pas mal, s'il te plaît, appelle un mécanicien. Allez, appelle-le, mec, appelle-le. Bonjour, messieurs. Ouais, bon après-midi, merci. Comment tu vas? S'il vous plaît, messieurs, ne vous inquiétez pas. Je m'appelle Joshua. Avez-vous entendu la bonne nouvelle? De quoi est-ce que tu parles? Je parle de notre Seigneur Jésus qui est venu du ciel sous la forme d'un être humain.
Il a pris sur lui nos péchés. Il a été crucifié sur la croix du calvaire. Il a été enseveli sur la croix du calvaire. Il est ressuscité le troisième jour. Et avant de continuer, dis-moi où est ta mère. Ta mère te laisse marcher comme ça tout seul? Hein? Et tu oses marcher dans la rue tout seul? Qui t'a donné ça? Ta mère a gardé son mégaphone et toi tu le prends pour marcher. Fais attention à toi, hein. De toute façon. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, mec, allons chez le mécanicien, mec. Allons voir le mécanicien, mec, allons-y. Tiens, le Seigneur a répondu à ta prière. Monsieur, votre agent ne m'intéresse pas. Le ciel m'a envoyé vous rendre ministère afin que vous vous éloignez du mauvais chemin et vous tournez vers Dieu. C'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Réalises-tu que ma voiture vient de tomber en panne? S'il te plaît, va-t'en. Enlève-moi ce gamin d'ici. S'il te plaît, dis-moi, comment tu t'appelles encore, hein? Pas le temps de jouer. Écoute, notre voiture est en panne. Nous devons la réparer. Alors ne viens pas nous embêter, hein? Comment tu peux donner 1000 naira à ton enfant? Je sers Dieu de l'impossible. Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Si je suis un vrai homme de Dieu, un véritable servant de l'Éternel, que cette voiture démarre au nom de Jésus! Je pense que t'as besoin de boire un peu d'eau, d'accord? Tu marches depuis longtemps sous le soleil, t'as besoin de rafraîchissement, d'accord? Et sûrement ta mère te recherche. En passant, d'où viens-tu? Toute la journée, tu te balades avec ce gros truc à main. Qui t'a donné ça? Qui te l'a donné? Je vais te donner une fessée, hein? Hé, hey, petit, fous le camp d'ici. Je n'aurais pas posé la question si tu avais été un homme sage. Attends. Il vient de m'appeler un fou. Hein? Non. Attends, mec. Attends, mec. Il m'a traité de fou. Allez, attends. Où est-ce qu'il est passé? Il est passé où? Je ne suis pas sûr que ce petit garçon... Attends, je ne suis pas sûr que ce petit garçon t'a insulté, mec. Allez, essaye de démarrer, on ne sait jamais, mec. Hein? Ce garçon peut être un ange de Dieu, mec. Hein? Ce petit garçon, on ne sait jamais, mec. Allez, essaye de démarrer. Hein? Essaye de démarrer la voiture, mec. Ben voilà, voilà, mec. Je t'ai dit. Hé, hey, reviens. Viens. Enzé. Bah, elle a démarré. Je t'ai dit, mec. Et c'est comme ça. Il a refusé de prendre les 1000 naira. Ogona, lâche ma robe. Où est mon argent? Ogona, laisse ma robe maintenant. Mma, donne-moi mon argent. J'ai dit que je n'ai pas ton argent. Ogona, laisse ma robe. Donne-moi mon argent. Donc mon argent a eu des ailes et a volé loin de la maison. Tu me prends pour une idiote? Donne-moi mon argent. Ha! Je ne comprends pas. Tu m'écris dessus et tu m'accuses de vol dans ma propre maison. Hein? Peux-tu imaginer? Mon point que papa me tuer, oh. Je t'accueille dans ma maison et tu me traites de voleuse dans ma propre maison. Où est-ce que tu me payes le loyer de cette maison? Si tu veux que je paye le loyer, alors je le ferai. Et si tu veux que je le fasse, donne-moi mon argent et je payerai le loyer. Ne me provoque pas, ne me cherche pas, n'essaye même pas ça. Ogona, je n'ai pas ton argent. Ma! Je n'ai pas ton argent. Ma, donne-moi mon argent. Je n'ai pas ton argent. Ma, donne-moi mon argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Ma, si je commence, tu ne vas pas m'aimer. Tu ne vas pas m'aimer. Ma, dépêche-toi de me donner mon argent. Donne-moi mon argent. C'est quoi cette histoire? Je vais te faire changer de couleur. Ma. Ma. Je t'avertis. Ma, donne-moi mon argent. Je t'avertis. S'il te plaît, donne-moi mon argent. T'en supplie au nom de Dieu. Tu supplies ta mère. Tu supplies ton père. Tout ce que tu veux. Donne-moi mon argent. Je vais te chasser hors de ma maison. Pardon, dis-moi. Je vais te chasser hors de ma maison. À cause de mon argent. Je vais te chasser hors de ma maison. Maman, dis-moi ce que je veux. Maman. Fidelia. Maman, donne-moi mon sac. Maman, il est temps que tu parles. Maman, je n'aurai nulle part. Fidelia. Maman, arrête ce que tu fais. Fidelia. Fidelia. Où veux-tu que cette fille parte? Parle-lui. Je n'ai pas envie de savoir. Elle est à l'origine de ce qui arrive. Laisse-la régler ce problème elle-même. Maman. Maman, je ne partirai pas d'ici. Je ne partirai pas d'ici, maman. Hé! Maman, je n'irai nulle part. Mais pourquoi est-ce que tu es ce genre de mère? Je t'ai dit que je n'ai rien fait. Oh. Je ne partirai pas, maman. Je ne partirai nulle part. Papa, dis à maman de remettre mes vêtements à l'intérieur. Je ne pars nulle part. Non, viens, ma fille. Je n'irai nulle part. Où belle est-tu? C'est pas nécessaire de s'inquiéter pour ça. Avant de causer plus de problèmes à la famille, je t'en prie, ma fille. Mon adorable fille, je t'en prie.
Papa, je n'ai rien fait pour partir de cette maison. Je n'irai nulle part. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je vais t'envoyer chez mon frère qui vit en ville. Je te donnerai son adresse et son numéro de téléphone. Va et reste-y, ma fille, jusqu'à ce que tout ce mauvais vent, tu vois, s'arrête. Puis après, tu reviens. Papa, je ne partirai pas. Awebemidjou. Ma fille. Awebemidjou, papa. Ma fille. Je n'irai nulle part. Ma fille, s'il te plaît, viens. Ça, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons régler ce problème. Vas-y, ma fille. C'est un homme bon, tu peux rester avec lui. Après cette période d'agitation, tu pourras revenir. Mais pourquoi maman fait ça tout le temps? Te préoccupe pas ta mère. Pourquoi elle est si méchante? Pourquoi? Tu sais que ta mère est une femme méchante. Ignore-la. Ignore-la simplement. Hein? Cette fille est partie depuis le matin. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Par où vais-je commencer à la chercher? Par où vais-je commencer à la chercher? Hein? Maman. À Gosier. Maman, où vas-tu? D'où sors-tu? Je suis allée voir Chuboko. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas sortir de cette maison sans me dire là où tu vas? Je pensais que je rentrais plus tôt. Ok, qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? Maman, j'ai accompagné Chuboko jusqu'à la gare. Chuboko est parti pour la ville. Elle est partie à cause de... Hey. Bref, que Dieu la protège et la garde pour avoir risqué sa vie pour une pauvre veuve comme moi. Amen. Hey, Dieu, tu protèges-la pour moi, pour Amen. Nous, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Ah bon, c'est bon. J'ai passé tout le temps à t'attendre. Je ne savais pas où tu étais. J'étais déjà inquiète. Oh. Je t'ai cherché dans tout le village. J'ai pensé que tu étais partie. Où aller, où, maman? Tu m'as fait très peur. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne t'abandonnerai pas. Ma puce, pourquoi me traites-tu ainsi? Ali. Chibuna, qu'est-ce que tu attends vraiment de moi? Abigail, je veux que tu m'aimes de la façon dont moi je t'aime, ok? Écoute, tu sais que je t'aime énormément, ok? Tu sais que je t'aime et que je prends soin de toi. Je te l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne suis pas intéressée à une quelconque relation pour le moment. Pardon? Hein? N'es-tu pas assez grande pour ça? Et qui a parlé d'âge? Ok, dis-moi. Regarde-moi, ok? Dis-moi, ne suis-je pas assez bien pour toi? Ou alors, c'est une affaire d'argent? Je ne suis pas intéressée. Point. Abigail, je t'en supplie, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'aime. Abigail, je pourrais aller sur la lune pour te faire plaisir. Stop! Je ne suis pas intéressée. Point. Excuse-moi. Abigail. Mais qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait à cette fille pour mériter ce genre de traitement? Arinze a raison après tout. Arinze a raison après cette. Mais... Nze, je m'audis le jour où j'ai rencontré cette fille, mec. Je lui ai dit, je motive le jour où j'ai rencontré cette fille, mec. Tu m'en diras tant. Tu sais quoi, t'as rien à dire. Je suis sûr que c'est toi qui as tout gâché. Je vais te montrer comment le faire. Hein? Ça s'apprend, ce travail. J'aime Abigail, ok? Je l'aime. Elle ne peut pas me faire ça, mec. Non, mais écoutez ce garçon. Il continue de parler d'amour. Qui parle d'amour ici? Tu aimes Abigail, c'est pour ça que t'échoues toujours. Ouais. Tu dois apprendre. Personne ne parle d'amour ici. L'amour n'aide personne. C'est pour ça que t'échoues toujours. Écoute, il faut que t'apprennes. Observe et apprends. Tu dois écouter. T'as raison. En fait, t'as raison sur ce point, mec. Bon, bref. Tu vas devoir encore m'accompagner pour une autre visite. Quoi? Attends, Zé. Je vais devoir t'encore accompagner, sauf dire donner du vin à une autre famille. Exactement. Zé, ça t'arrive de compter? C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que tu dois apprendre à jouer. Ah. C'est la seule façon pour toi d'avoir toutes les filles que tu veux. Tu comprends? Sérieux, tu dois apprendre.
Dis-moi, qu'en est-il des deux filles qui ont bagarré chez toi la dernière fois, mec? Oh, j'étais avec Adèse juste après, et j'ai même appelé Edith ce matin. Hein? Mais si rien, tu dois apprendre. C'est... Comment fais-tu ça, je veux dire? Comment tu fais pour retenir que ça fait un peu de classe, mec? Comment? Tu ne le sauras pas. Hein? Tu veux me flatter pour que je te dise comment je l'ai fait? Je te le dirai pas jusqu'à ce que tu sois prêt à apprendre le jeu. Alors je te le dirai. Allez, monte, on y va. Monte, mon pote, on y va. Je dois apprendre. Je dois apprendre. Ouais, c'est ça. Et ton ingénieur, il ne travaille plus? Ce gars, il me demande un peu trop d'argent. Tu sais, et je pense que je vais devoir employer un autre ingénieur. Pourtant, ouais. Ce gars fait du bon boulot. Allez, mec. Ouais, mais je veux dire, je ne peux pas continuer à dépenser de l'argent pour lui comme ça. J'ai appelé un autre ingénieur, on y va. C'est pas ta maison, mon pote. C'est le milliardaire. Est-ce que c'est ta maison? C'est pas la tienne. Allez, on y va. Ah, c'est le milliardaire. Gala de bons biscuits pour vous. Donnez-moi pour 100 naira. Oh, monsieur. Gala. Gala Diarum. Gala de très bons biscuits pour vous. Gala. Ces galas vont changer votre vie. Gala, prenez vos biscuits. Gala Diarum. Ces galas vont changer votre vie. Prenez vos galas. Gala. Prenez vos galas. Madame, vous voulez des galas? Pour 100 naira. Hey. Tenez, madame. Merci, madame. Merci. Gala. Gala. Monsieur, il y a de très bons galas, oh. Ils sont très bons. Idje les noanais. Attends que je t'ouvre la portière. Attends. Idje les noanais. Attends. Bonne arrivée. Merci. Tu attendais dehors? Où est mon fils? Il est à l'intérieur. Nous sommes en train de sortir. Ok, tu sors avec lui? Oui. Je oui. vois. Merci. Et dis les noirs. Oui. Pardon, en entrant. Hein. S'il te plaît, dis à Renzi que je l'attends. Non, je ne comprends pas. Inez ou quoi, nous, comme moi. Bah. Tu veux que je transmette un message pour toi? Non, dis les noirs. Tibouna. Ou belle colo, bichi. Au bout, tigli. «
C'est une belle journée qui commence. C'est une belle journée qui commence pour moi. Non. Un rendez-vous qui m'attend. Un autre rendez-vous qui m'attend aujourd'hui. Et Dieu l'éloigne. Mais mon fils, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te fait chanter? Ça, tu peux le dire. Non, non, non. Tu sors avec Tibuna, c'est ça? Ouais, on va juste boire quelques verres, ensuite tu seras de retour. Faut pas mettre long. Je comprends, mais tu n'iras nulle part. Et Dieu l'éloigne. Oui. Tibuna est en train de m'attendre dehors. Oui, je sais. Mais tu n'iras nulle part avec lui. Remonte et puis repose-toi. Voyons, Dieu l'éloigne, je serai pas long. T'inquiète pas, je vais pas mettre long, je reviens. Je sais qu'il t'attend là dehors. Mais laisse-le attendre, il pourra attendre le temps qu'il pourra. Après, tout simplement, il s'en ira. Et un autre thème, peut-être il faudrait que je lui demande de partir. Attends que je dépose mon sac. Tiens, arrête ça, je vais le voir. Je vais lui demander de partir. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Laisse-moi le lui dire de moi-même. Et Dieu l'éloigne, je t'en prie. Ok, ok. Mais attends, attends. Oh, une mère. Mais je demande, hein. C'est où t'es? Idjele Nonne. Où est-ce que tu vas? Je voulais vérifier si le milliardaire est à l'intérieur. Nous sommes en retard. Je sais que vous êtes en retard, mais Nzé n'ira nulle part avec toi. Alors, pourquoi est-ce que tu ne vas pas, hein? Passe une bonne journée. Osondo. Osondo. Madame. Onuman. Allez, dépêche-toi et ferme le portail. Idjele Nonne, que je parle. Exactement. Que tu t'en ailles. Hey, tu passes une bonne journée. On se verra prochainement. Ok? Monsieur. Mba. Djakarawa. Nse. Monsieur, n'insistez pas. Venez que je vous raconte. Nse. Mba. Njana. Attends, attends. Il va arriver. Obeni, Yefo. Impossible. Je ne pense pas que ce soit ton problème. Ouais. Nzé, on doit partir, mec. Djagerawa. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne pense pas que ce soit ton problème, Yakana. Achetez vos galaos. Hey. Oh mon Dieu. Que vais-je faire maintenant? Hein? Avec cette provision, que vais-je faire maintenant? Hein? Et je ne sais même pas s'il y a un garage dans les enfants. Bon après-midi, Ma. Bon après-midi. Bon après-midi. J'ai l'habitude d'acheter les garages chez toi, c'est ça? Oui, Ma, c'est moi. C'est ah, moi. D'accord. S'il te plaît. On dirait que votre roue est percée. Oui, j'ai eu une crevaison. Sais-tu où je peux trouver un mécanicien? Hi, hey, un mécanicien. Mon Dieu, que vais-je faire? Ma. C'est très très loin, au rond-point. Ce rond-point là-bas. Ce rond-point là-bas. Hey, oh, Kotano. Hé, hey, Tineke, que vais-je faire maintenant? Hé, hey, mon Dieu. Vous avez une clé à molette? Bien sûr, j'ai une clé. Et en cric, c'est ça? Oui. Je vais la changer pour vous. Je vais la changer pour vous. Laissez-moi déposer ça. Je vais la changer pour Es-tu sérieuse? Oui, je peux le faire. Ouvrez votre malle. When your time is reaching, you are born to sing. To me,
C'est bon. Ça alors? Waouh! Quel est ton nom? Mon nom est Shiboko Ma. Ah, tu sais très bien changer les roues. Comment tu l'as appris? Je l'ai appris de mon oncle. J'avais l'habitude de l'aider à changer ses roues. Ah, tu vis avec ton oncle? Oui, au numéro 12 à Diaclos. Bref, au niveau de Water Close. Ok, oui. Je vois. Où vivent tes parents? Ils vivent au village. Tu dois prendre rendez-vous avec moi. Rendez-vous avec vous? Pas ce genre de rendez-vous. En fait, j'aimerais que tu connaisses ma maison. Hein? Oui, laisse-moi te donner mon adresse. Je n'irai nulle part. Elle pense qu'elle peut jouer avec mon intelligence. Ma, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu, Ma. Tiens, numéro 1 à Koussi et Oboko. Je t'attends ce dimanche. Ok, Ma. Ne me plaque pas. Merci, Ma. Merci beaucoup. Ok, rentrez bien haut. Je serai là. Je serai là. Hey! Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Cette méchante femme m'aurait arrêtée et me jetée en cellule. Je remercie ma bonne étoile pour m'avoir sauvée de cette femme aujourd'hui. Mon Dieu. Hey! Je vais prendre une autre route. Obioma. Hey, arrête ça. Ah, Obioma, qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Bio, oui, on a un problème. À cause de ta mère et toi, ma sœur a quitté cette communauté. Ne prononce plus jamais mon nom. Hey. Ok, je suis désolée. Pikodo, je suis désolée, pardon. Désolée, mon œil. Écoute, mon ami, la prochaine fois que tu m'interpelles et que tu me parles, hein, ce jour, hein, n'importe quoi, dégage. Regardez-la. Apparemment, madame est dehors. Qui sait où elle est allée? Allô? Oui, je suis à la maison. Tu dis que tu es au poste de police? Attends une minute. Tu as vu ma colocataire au poste de police en train de faire quoi? Oh! Elle me porte plainte à moi? En tout cas, merci pour l'information. D'accord, bye. Hey, elle ne va jamais cesser de m'étonner. Donc, cette idiote, cette fille ingrate qui squatte dans ma propre maison.
Donc, comme ça, elle est partie me porter plainte. Hein? Qu'est-ce que je ne vais pas voir, oh? Akache, cette Kaliwag. Oh! En tout cas, je sais quoi faire. Tu vas partir de chez moi. Je vais définitivement la mettre hors de cette maison. Fille stupide, une minable somme de 20 000. Tu as été incapable de me donner 20 000 naira. Alors j'ai pris les 200 000 naira. Et tu vas à la police porter plainte contre moi. Je vais régler ton compte. En fait, je vais te foutre hors de cette maison. N'importe quoi. Je pensais que tu as dit qu'elle est à la maison. Ah, elle était à la maison peut-être. Qu'elle s'est enfuie. Lui as-tu dit que nous venions pour l'arrêter? Moi? Bah, non. Ok, je vois. D'accord, je pense que tu vas me suivre au poste. Je te donnerai une convocation pour que tu la lui remettes. Ok. D'accord, allons-y. Merci beaucoup. Oh. Je suis très contente. Et Jenny Wang, que se passe-t-il? Je t'ai jamais vu dans cet état avant. Mm-hmm. As-tu gagné au jackpot? Non, j'ai gagné quelque chose de plus grand que le jackpot. Hey, je suis si contente. Viens t'asseoir et laisse-moi t'en parler. D'accord. Ah. Alors? Non. Maman Rize, je l'ai trouvée. Trouvée qui? Ta femme. Ta petite femme. Je l'ai trouvée. Pourquoi est-ce que tu ris? T'es impatiente, n'est-ce pas? Je savais que tu le serais. J'étais très sûre que ça te plairait. Oh, Dieu. Contente parce que t'as trouvé une femme pour moi. Oui, celle-ci est différente. Celle-ci est le haut standing, je t'assure, mon fils. Naï, elle est entreprenante. Elle est travailleuse. Elle a des belles formes. Hey! Elle est chorobo. Je t'ai dit que si tu la vois, elle est le haut standing. Mon Dieu. Hey! Elle est tout ce qu'un homme peut vouloir chez la femme. Idjelewan. Ne te dérange pas pour ça. J'ai trouvé quelqu'un que je vais épouser. Et elle va passer ici demain. Bah, ne te dérange pas. Dis à cette personne de ne pas s'inquiéter. Hein? C'est pas la peine qu'elle vienne parce que ma propre personne arrive dimanche. Nyamwache. Donc, dis à cette personne de ne plus s'inquiéter. Ofanou, je t'ai trouvé la bonne. Spéciale fabrication du ciel. Hein? Alors, mon fils, écoute. Tu vas l'apprécier parce que une fois que tu la verras, tu vas l'apprécier parce qu'elle a des jolies formes. Oui, c'est Toja, oui, je sais. On est Toja, de fait. Est-ce que je mens? Cette personne qui arrive ici demain, dans cette maison. Ofu Lugo. Elle est quelqu'un de spécial. Ofu Koutou. T'as entendu ce que j'ai dit? Kentie, Ndia Popo Ipwani, Poko Nyakala, Popo, Mwedene Ounou. Écoute. Okama. Mais non. Si tu vois cette fille, tu vas beaucoup l'aimer. Silence, mon fils est silencieux. Et moi je réponds, Amenon, petit. Libère ma maison. Tu ne peux pas nier que c'est toi qui as volé mon argent.
Ma, donne mon argent. Porte ton sac et pars de chez moi. Hein? J'ai dit que tu vas sortir de chez moi. Tu dois rêver. Tu as volé mon argent et tu ne peux pas le nier. Ma, donne mon argent. Regardez. Donne-moi mon argent. Regardez cette voleuse qui me traite de voleuse. Si je me permets, où as-tu eu cet argent? La provenance ne te concerne pas. Tout ce que tu dois faire là maintenant, c'est de me remettre mon argent. Donne-moi mon argent. Je ne sais pas de quoi tu parles. Regardez cette voleuse criminelle. C'est toi la grande voleuse. Hein? C'est toi la grande voleuse. Oui. Tu sais quoi? Retourne dans ce poste de police et porte-moi encore plainte parce que cette fois-ci, je n'irai nulle part. Hein? Je vais t'exposer, Dardar. Expo-moi? Oui. M'exposer. Dardar. D'accord, vas-y. Tu penses que j'ai peur de tes menaces? Ma, donne-moi mon argent. Viens le chercher. Donne-moi mon argent. Viens le chercher. Donne-moi mon argent. Je pense que je sais comment finir avec toi. Je vais dire à la mère d'Arinzi ce que tu as fait. Je vais lui dire que tu es ici, que tu te caches dans ma maison. Oui, peut-être là, ça te servira de leçon. Tu penses que j'ai... Je n'ai pas peur de tes menaces. Donc, donne mon argent, donne mon argent. C'est quoi ça? Ah! Tu penses que parce que je squatte chez toi, j'aurais peur de toi? Non, 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 non. Tu vas partir de chez moi parce que je vais te foutre à la porte. Tu pars de chez moi. Tu as quelque chose? Je ne pars pas d'ici sans mon argent. Donne-moi mon argent. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de la mère d'Arinze. Je n'ai peur de personne. Donne-moi mon argent. S'il te plaît. Donne-moi mon argent et tu je pars. Tu sais quoi? Attends-moi. Je reviens. Tu vas faire quoi? Tu vas partir de chez moi. Que peux-tu faire? Tu vas partir de chez moi. Donne-moi mon argent. N'importe quoi. Oh, Nyoshi. Regarde-la. Ah, ah. Qu'est-ce que cette fille veut me montrer? Aïe. Et si elle y allait vraiment? Ma, n'oserait pas faire ça. Est-elle vraiment capable d'aller dire à la mère d'Arinzi que c'est ici que je me cache? Hey. Je pense que je dois juste partir. Hein? Je ferais mieux de fuir les problèmes. Parce que si elle le dit à cette femme, elle enverrait la police m'arrêter. Hey, Ma! Mes 200 000! Je reviendrai pour toi, ne t'inquiète pas. Hey! Elle s'est permise de voler mon argent. Ma souffrance. Ma toi. Bref. C'est tout ce que tu as.